Bonjour. Yes. Il est de retour. Il est de retour, le garçon. Ah, des péripéties qui m'est arrivé. Il y avait plus de PC. Il était tout crassé. Plus de carte mère. Ah là là. Obligé de changer. Bah, la carte mère. Hein. Ben voilà. Hein. Il dit quoi avec? Et bah, le processeur. Ah là là. 12 heures après avoir récupéré Internet. Ça va, vous m'entendez? C'est pas trop fort? Si, c'est un peu fort. Et ça fait plaisir d'être de retour. Plein de choses à vous raconter. Enfin bref, plein de choses, c'est pas tant que ça. La musique est un peu light forte, mais c'est fini. Du coup, on va en trouver une autre et puis je vais vous raconter ma life. Hein. Voilà, voili, voilà, on va se trouver une autre musique un petit peu cool en ce dimanche matin avec mes deux mains sur ma mobilette. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ah là là, obligé de jouer en offline quand j'avais plus internet. Parce que oui, ça m'est arrivé. Je vous avais raconté la dernière fois, tout content. Ouais, il est de retour, le fils du retour de la revanche du retour. Et en fait, plus de PC. Plus de PC, obligé d'emmener tout ça à réparer, à nettoyer aussi. Donc, je me suis retrouvé avec un petit PC portable à tester des jeux sur Amstrad, quoi, sur Amiga. J'ai essayé de liver, de voir si je pouvais, mais non, c'est la résolution, elle n'était pas suffisamment forte, le PC n'était pas suffisamment fort, je pouvais rien faire. Bref, j'hésitais à commencer cette émission, c'est Morning Matin, ça va s'appeler Morning Matin, enfin pour l'instant ça s'appelle Morning Matin 2.0. Test et découverte de jeux gratuits. Donc on a loupé des trucs. On a forcément loupé des trucs. Mais moi je vous disais quoi? Que je voulais vous mettre une petite musique de lait tranquille, histoire de faire l'ambiance. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a ça. Ça peut être bien ça. Je m'endors avec des sons comme ça moi des fois. Voilà. Ouais, ça va être zen hein. C'est quand même fait un temps dégueulasse là dehors. Il pleut sur Nantes. C'est une chanson, ça. Ouais, je crois que c'est une chanson. Du coup, on va faire le tour de l'actualité du jeu gratuit. Par contre, j'ai fait des réglages, là, paramètres. Normalement, vous avez plus de visibilité au niveau du cadrage de la webcam. Et quand je change de scène, j'ai plus besoin de régler la caméra. Donc, déjà, c'est bien. Donc, pendant mon absence, est-ce que vous avez été sage? Je suppose que non, et vous avez eu raison. Alors, on est passé à côté de quoi? De quoi j'ai pas eu le temps de vous parler? Il faut que j'aille sur mon profil de Twitter. Abonne-toi, follow s'il te plaît, Mister No sur Twitter. Hop, c'est pareil. Du coup, dans l'actualité du jeu vidéo gratuit, jeudi dernier est sorti. Alors, sorti, c'est pas sorti, mais c'est rendu disponible sur l'EGS Epic Game Store. Il y a eu AR Memories of Old. Donc il y a un très bon jeu, tiens, je vais vous montrer ça. Et on a eu Stranger Things 3. Alors ça ressemble à quoi tout ça? Eh ben ça ressemble à ça. Alors que je vous montre, capture d'écran, yes. Voilà, mais vous voyez que c'est bien foutu. Hop. Alors attendez, c'est juste un petit réglage à faire. Je vois qu'il y a un blanc, oh là c'est pas bien cadré tout ça. Attendez, bougez pas, on va faire ça mieux que ça, voilà. Là c'est bien normalement. Voilà, il y avait un petit peu de blanc. Voilà, c'est mieux. Ah, je vous fais ça en direct. Hein. Donc, maintenant faut l'acheter. Il est plus disponible. Ah, flûte. Bah, c'était pas celui-là. Du coup, donc faut l'acheter. Mais voilà, il était gratuit. Hein. Il était gratuit la semaine dernière. Un bon jeu. Regardez-moi ça. Oh, il paraît que c'est fun à jouer et qu'il y a vraiment des bonnes sensations quand on vole. Donc à voir. Donc ça, on est passé à côté. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Regardez, je vais essayer de faire une transition tranquille, pof, comme ça, ça fait professionnel. Et on avait eu donc le Stranger Things 3. Je vous ouvre une fenêtre pareil, et là, je refais capture d'écran si ça veut bien. Voilà, regardez-moi ça, et là, c'est animé. Voilà, donc il y avait ça à choper, mais maintenant c'est plus disponible. Voilà, faut l'acheter 7,99€, ça vaut peut-être encore le coup. Pourquoi pas, je vous mets pas de son hein, sur les jeux, on reste là-dessus. Sur la petite musique zen, là, si vous avez envie de piquer un somme. Ah là là, mais pourquoi pas. Donc c'est ceux qui aiment le rétro, le style pixel qui va très bien d'ailleurs avec le thème de la série et du moins avec l'époque
à laquelle ça joue. On va faire un petit bilan, hein, sur les jeux gratuits un petit peu plus tard. J'ai eu des clés aussi. Oh, j'ai un super jeu. On va finir des Landes aussi. Donc, je vais sans doute couper le stream. Je pense que je vais streamer une bonne partie de la journée. Ça va être sympa. Pour l'instant, c'est l'émission. Et ensuite, on fera des jeux. On fera des jeux, mais il y aura peut-être une pause entre les deux. On va voir comment ça se trame. Mais c'est cool. Donc, retour sur ma tête. Ouah, ma tête, elle est là, ma tête en gros. C'est cool. Donc ça vous l'avez loupé. Enfin, vous l'avez peut-être pas loupé, mais j'ai pas pu vous en informer. Bah, parce que tout était cassé. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, mais si, 1er juillet. 1er juillet, souvenez-vous, je vous l'avais teasé. Alors, vous pouviez l'avoir en pré-achat. C'était Traxmania, alors le Starter Pack. Hein, on va parler du Starter Pack de Traxmania. Attends, bouge pas. Tac, je vais te faire ça bien correctement. Toc. Ouais, regardez. Hop, je jongle. Hop, avec les écrans. Traxmania, le Starter Pack est gratuit sur l'Epic Games Store, qui vous renvoie en fait vers le launcher Uplay. Donc il est aussi disponible sur Uplay. Après, si vous voulez dépenser des sous pour avoir la totalité du jeu, parce que là il n'y a qu'une version solo, c'est possible. Mais si vous voulez jouer en solo, et ben voilà, le jeu il est à votre disposition. Il est plutôt chiadé, hein. Les streamers ils ont commencé à y jouer. Ils ont des OPSP, les gars. Hein, ils sont pas fous. Hein, faut bien qu'ils mangent. Oh là, des petits lags. Alors par contre, moi j'ai mis mon PC à réparer et tout. J'avais 8 Go, je l'ai récupéré, j'en avais 4. Donc il faut que j'appelle les gars là pour savoir quoi vous avez fait. Là, des ralentissements comme ça, c'est pas possible. Hein. Moi il me faut au moins 8 Go de mémoire. Sinon ça va pas le faire. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je suis bien content de pouvoir restreamer, d'avoir un PC à nouveau. Et de vous retrouver. Hein? Ça fait plaisir. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'on a loupé. Traxmania, bien entendu, est toujours disponible. Et ça a de la gueule. Hein. Par contre, il faut avoir des yeux dans tous les sens pour pouvoir se repérer sur les circuits parce que c'est la S. Du coup, hop, yes, on y retourne. Donc, ça, hop, c'était les actualités de la semaine dernière. Donc à partir de jeudi, parce que c'est le jeudi que sortent les jeux sur l'Epic Game Store. Est-ce qu'il y en a eu sur d'autres plateformes? Je n'ai point vu. On a je vais vous montrer ça. Capture d'écran, c'est ici. C'est un petit bonhomme. Alors ouais, ça va pas vous parler comme ça, mais c'est un petit bonhomme qui se balade, c'est un platformer qui se balade dans un décor tout en noir et blanc, et va y amener de la couleur au travers différentes quêtes qu'il va récolter auprès de certains personnages. Je pourrais vous montrer ça, je pourrais vous montrer un trailer. Donc celui-là, voilà, hein, obtenir au lieu de 11,99 €, il est gratuit en ce moment sur le GS. Peut-être que je vous le montrerai, on verra ça, peut-être un trailer. Vous voulez un trailer? Vous voulez un trailer? Attendez. Hop! Je vais refaire ça bien. Je jongle. Tac. Je vais vous trouver un trailer pour You. Alors attendez que je vous ouvre une fenêtre quelque part. Tac. Couper le son aussi sur YouTube. Hop. You. Toc. Trailer. Un trailer. Toc. Alors attention que le son se superpose pas avec le reste. Gameplay trailer, coming soon trailer. Alors attendez, hop, ça je coupe le son. Hop, et je vous montre ça. Alors, je vais faire ça bien, regardez, je vais faire ça bien. Alors, tac. Voilà, regardez, hop. Donc ça, c'est à choper cette semaine, petit bonhomme. Petit bonhomme, oh là, ils sont déjà bien avancés dans le jeu, là, on dirait. Donc forcément, il y a une musique qui correspond, mais là, on garde la musique du live. Hein, parce que j'ai envie de causer tranquille avec vous. Il est de bonne heure. Et ben il est 8 h. Il est 8 h pile. J'ai bu mon café déjà. Et du coup, c'est cool. Vous voyez, hop, faut jongler. Moi, je suis pas à l'aise avec ces trucs-là. Je suis pas super fan. Enfin, j'aime beaucoup le genre, l'originalité, etc. Vous retrouvez, hein, ces mécaniques-là dans d'autres jeux. Hein, c'est pas nouveau. Mais c'est cool. Hein, vous voyez, faut jouer sur les couleurs pour les faire disparaître et tout, pour ouvrir un passage. Il y a un petit côté puzzle game, hein, réflexion. Et du coup, il faut avoir parfois les bons réflexes également. Et c'est plutôt stylé.
On peut le voir sous vos yeux ébahis. C'est chouette, hein. C'est chouette. Bon, bah, ça a l'air d'être fluide en tout cas. Ça, c'est cool. Je regarde, hein. Je vérifie sur mon retour. Le chat, normalement, c'est bon aussi. Vous pouvez vous exprimer si vous en avez le désir. Et hop. Et du coup, voilà en ce qui nous concerne pour l'actualité du jeu vidéo gratuit de la semaine. Je vais regarder, est-ce que j'ai loupé des trucs? C'est possible que j'ai loupé des trucs parce que j'étais pas au taquet. Je vais juste jeter un œil, des fois qu'il y aurait eu des choses. Ah, il y a Armilo. Il y a Armilo qui est sorti, qui est disponible sur Steam pendant une durée limitée. Je l'ai pas vu. On va regarder ça. On va regarder ça de toute façon. Hop, c'est le moment d'aller sur l'écran de présentation. Ah, faut que je vous parle de Evil Democracy 1932. Je l'ai testé, j'y ai joué, j'y ai rejoué, j'y ai re-rejoué. J'ai pas trouvé le fun. Hein. Je suis désolé parce que c'est une clé qu'on m'a filée. Et c'est... Peut-être que quelqu'un d'autre hein, appréciera. Peut-être que ça vient de moi. Mais j'ai trouvé ça très difficile. Hein, au niveau de l'approche, en tout cas. C'est un jeu qui est encore en early access, encore en cours de développement. Ça manque d'animation, tout ça. Je vais avoir l'occasion de vous en reparler. J'ai pas envie de vous faire, une vidéo spéciale sur YouTube pour présenter le jeu si je suis pas hypé. Hein, parce que j'ai pas forcément envie d'en dire du mal non plus. Donc, je verrai ça un petit peu plus tard. Ça a l'air d'être bien le retour, ça a l'air d'être bien. Donc, ouais, c'est zen hein, la musique. Hein. Voilà. J'avais envie d'un matin tranquille. Toc, et regardez, ah j'ai pas besoin de régler la caméra, ça c'est cool. Ah j'ai trouvé, en fait j'avais pas la bonne résolution, hein. Fallait que je le mette en 1920 par 1080. Tout simplement, et que je mette la petite image dans le cadre, et à partir de là, tout va bien. Donc Armilo, voilà c'est ça, Armilo. On va aller sur la page du magasin, hein. Tac, et comme ça je vais pouvoir vous transmettre les informations. Jeu à choper gratuitement, bien entendu, puis ensuite on va faire des tests. Quand tu veux, tu m'affiches un truc. Voilà, alors, petit jeu d'action casual, plateforme 3D, allez vas-y. Donc c'est un renard, hein, c'est censé être un renard. Bon, les couleurs c'est un peu spécial, mais on dirait qu'on est à deux doigts d'être... ça ressemble à un jeu de flipper un petit peu, mais c'est pas le cas, hein, c'est entre Sonic et un jeu de flipper. Et encore je le dis vite. Je l'ai pas testé, on pourra peut-être le faire tout à l'heure, à voir hein, si c'est fun. Le gameplay a l'air d'être original en tout cas. Donc pourquoi pas, il a l'air de récolter des avis assez positifs également. Il faut que je revienne dessus. Oui, des avis positifs hein, sur 20 avis en tout cas. Donc bah écoutez, on a ça qui est à notre disposition. Je vous remets le plein écran quand même. Hop. Et on a du boss à déglinguer. Donc bah écoutez, pourquoi pas. Voilà, Armilo, un petit renard. C'est sorti officiellement sur Steam le 3 juillet 2020. Officiellement sur Steam parce que le jeu il peut être antérieur à la date affichée. Bien entendu, vous savez comment ça se passe ici, en retournant la bibliothèque. Et par contre, j'en ai testé des jeux. Alors, Clay Game, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas testé, je l'ai juste mis de côté. Clay, c'est l'argile, hein. C'est pour faire de la pâte à modeler. Ils ont une sale gueule, hein, les personnages. Donc, il a recolle des avis positifs. C'est un casse-tête platformer, action-aventure. Oula, il y en a des tags. Indépendant, donc style dessin animé. Est-ce qu'il est disponible en français? Non, mais il est gratuit. Donc voyons voir. Bon, après, ça a pas l'air d'être. Ouais, c'est spécial. Hein. Ça pique un peu les yeux. Mais faut voir. Peut-être qu'on va l'essayer tout à l'heure aussi. De toute façon, à chaque fois, je vais vous dire ça. Peut-être qu'on va l'essayer tout à l'heure. Mais c'est cool. C'est cool. Oh oui, ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux, mais c'est rigolo. Hop, quand on n'est pas joli, on est poli. Et du coup, on verra bien ce que ça donne. Bon, je suis pas super hypé, hein, mais il mérite peut-être le détour par son originalité au niveau du design, en tout cas. Pourquoi pas? En tout cas, c'est sorti le 2 juillet 2020. Ça récolte des avis positifs. C'est développé par Andy Schmidt et édité par Everything's Lab. À voir ce que ça donne. Hop, du coup, on va faire le tour de ce que je vous ai mis de côté. Ah, j'ai rejoué à Staxel aussi. Parce que c'était un des seuls jeux qui tournait en off. Heureusement que j'avais des jeux de côté hein, téléchargés, bien sûr. Tous ceux que je pouvais mettre à jour, eh ben je pouvais pas les mettre à jour. J'avais plus l'internet et tout machin.
Alors oui, ça s'est fait en deux fois, hein, mes problèmes. Première fois, plus d'internet, l'internet revient. Deuxième fois, 12 heures après, le PC qui crache. On m'a offert hier Darkest Dungeons. J'y ai jamais joué, donc je vois ce que c'est. J'ai vu des streamers le faire. Donc là, on n'est pas dans les jeux gratuits, mais Darkest Dungeons, on va voir. Je vous en parle vite fait parce que je pense qu'on s'attardera dessus un petit peu plus tard. Bon, là, c'est pas le concept de l'émission, mais pourquoi pas? Donc, allons-y gaiement, Darkest Dungeon. Et vous le trouvez à quel prix? Voilà, pourquoi ça saute comme ça? Parce que j'ai plus assez de mémoire. 5,74. Ah, il est en promo en ce moment. Au lieu de 22 euros, il a 75% de réduction. Donc, c'est des combats en tour par tour. Il n'est pas facile, hein. Mais ça, c'est mon style de jeu. Et j'avais pas d'argent à dépenser parce qu'il faut que je le paye, en fait, la réparation, hein, quand même, hein. J'en ai pour 300 goulasses. Et comment vous dire que j'ai pas beaucoup de revenus, donc ça va se faire sur plusieurs mois. Il faut mettre des sous de côté, faut manger, faut payer les factures, tout ça, tout ça. Bah ça me plaît. Donc c'est mon ami Shooter que vous pouvez voir dans des, oh là, dans des vieilles vidéos. Enfin vous le voyez pas, mais j'ai joué avec lui sur GTA 4, il me semble. C'était sur GTA 4. Il m'avait offert GTA 4, il m'a offert GTA 5 d'ailleurs. Shooter toujours là pour les bons plans. Et d'ailleurs c'est cool. Hier il me renvoie un message, ça va mieux avec ton PC. Je fais, ah bah je viens de le récupérer. Il me fait, bah tiens, prends la clé. Je regarde, je me mets la clé. Darkest Dungeons. Hop, ça c'est des potes. Ah, ça c'est des potes. Donc qu'est-ce que j'ai aussi? Donc ça on en parlera plus tard. Darkest Dungeons. Quand tu veux bibliothèque. Alors j'ai récupéré Keen. Keen, je l'ai pas testé. Pas encore, donc ça il va falloir que je le fasse en off ou en live. De toute façon, il va falloir que je teste plein de jeux. On a Island Saver à finir, on a Deland à finir. Donc là, c'est quand même bon, c'est un petit melting pot. Hein. Donc ça, on me l'a offert aussi. Enfin, on me l'a offert, ou les développeurs m'ont offert. J'avais réclamé la clé, je l'ai obtenu. Voyons voir ça. Il doit être à moins de 10 euros. Je vous dis ça, j'en sais rien. Non, il n'est pas à moins de 10 euros. Il a 10% de réduction, il est à 11,96 euros. Au lieu de 13, c'est ça? Ouais, 13,29 euros. Donc, un casse-tête, Dungeon Crawler. J'aime bien les Dungeon Crawler. Hop, avec des combats en tour par tour. C'est mignon, c'est kawaii. Il va peut-être entrer dans ma catégorie Anima Games JPG. Mais j'aime bien, hein, tout ce qui est comics, vous le savez maintenant. Hein, tout ce qui est bande dessinée, comics, voilà, anime. C'est mon truc. Ah, il me fait penser à Helltaker. Vous voyez, on se déplace, les ennemis bougent à chaque fois qu'on fait un mouvement. Donc à voir, j'ai pas eu l'occasion de le tester puisque bah, j'ai récupéré mon PC en fin d'après-midi hier. Et du coup, j'ai joué à rien du tout. J'ai joué à rien du tout, j'étais content, j'ai regardé des lives. Et je fais minuit aussi en ce moment. Donc les écrans, ça bouffe hein, quand même hein, sur le sommeil. Et j'ai pu en faire l'expérience. Donc à voir, ça on verra. Bon, c'est. Voilà, on est en dehors de l'actualité de la thématique, mais c'est pas grave. C'est juste histoire de vous informer. Et ça, vous savez que moi les jeux de ferme, j'adore. Donc on va pouvoir découvrir un nouveau jeu. J'ai pas voulu le lancer en off, je vous attendais. Ça va être cool. Il s'agit de Stranger Sails, Explorer of the Cursed Islands. Ça va me plaire. Ça va me plaire, en plus c'est tout cool. Alors là, le monsieur il parle normalement. Mais regardez-moi ça. On va pouvoir planter des légumes, faire pousser des patates. Ça, c'est mon jeu. Ça, c'est mon futur jeu du cœur. Donc, hein, vous avez vu, hein, Staxel, j'aime bien. Deadland, j'aime bien. Et ça, on va y passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Vous êtes sûr que je vais pouvoir faire un let's play là-dessus? Ça va être hyper cool. En plus, comme c'est dit dans la présentation, c'est un jeu sur lequel on peut prendre son temps. Il y a du housing et tout, peut-être. Ah là là, mais regardez-moi comment c'est joli, c'est mignon et tout, c'est kawaii, c'est cute. C'est tout ce qu'il me faut. Et en plus, on peut voyager en bateau. Et je sens que je vais jamais prendre le bateau, je vais rester sur mon île. Mais ça va être vraiment sympathique. Donc, on va le découvrir ensemble. Ça va être vraiment sympa. Je me suis écarté un petit peu de. Ouais, voilà, de la thématique du jeu gratuit. Mais j'ai vraiment envie d'y jouer. Hein. Ah, sympa la vue. Sympa, sympa. Ouais, puis il y a de la bourrache et tout. On va pouvoir faire pousser des fleurs aussi. Ouais, puis il y a du combat avec un slash. Par contre, c'est pas normal que ce soit aussi ralenti. Ouais, il faut que je récupère de la RAM. Hein. Faut que je récupère de la RAM parce que ça suffit pas. Bon, après, bon, 4 Go, ça va là pour ce qu'on fait.
Mais ouais, dès qu'on stream un peu, ça bouffe aussi. Hein. Hein, le stream, oh, ça a l'air d'être chouette. Ah, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Je suis hyper hypé par le style. C'est tout mignon. Oh, le verre un peu dégueulasse. J'ai un problème avec le verre. Avec cette couleur quand elle est dans cette teinte. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, il y a de la pêche, hein, bien sûr. Il y a du crafting. Il y a tout ce qu'il faut. Je le suppose en tout cas. Ah là là. Vivement, vivement qu'on y joue. Vivement qu'on y joue, ça va être cool. Toc. Alors, Clemman, on avait vu. Alors, on peut refaire un petit tour. Clemman, il me semble qu'on n'avait pas été hypé par Clemman. Ouais, il est tout en anglais. On y avait joué. On l'avait lancé, Clemman, ou pas? Je sais plus. Fais voir. Il me semble que oui, hein, mais il n'était pas en français, hein, c'est ça. Gratuit, donc voilà. Bah, si vous êtes à l'aise dans la langue de Shakespeare, pourquoi pas? Mais sinon, c'est très verbeux, hein. Très, très, très verbeux. Donc, je crois qu'il va rien se passer là. Donc, le petit bonhomme, fort sympathique, ma foi. Il serait traduit en français que ce serait beaucoup plus facile. Activer Windows, qui me dit. Ouais, bah, 2 secondes. 2 secondes. Bah oui, parce que j'ai changé la carte mère. Il faut que je retrouve ma clé Windows et tout. Donc, je ferai ça plus tard. Donc, vous le voyez peut-être affiché ici. Voilà, mais on s'en fout. C'est pas très grave. Bon, bah, il nous montre rien d'intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'on a aussi? On avait pour en dessous. Ah ouais, mais si. Si, on avait testé ça. Et puis, on avait du gros lag. Bah oui, parce que le PC était sur le point de rendre l'âme. Donc, je pense qu'on va le tester. Stream Racer, il me semble qu'il fallait lier le compte Twitch avec. Samurai Cooking, on n'était pas hypé, on l'a vu. On l'a vu. Lightless, il me semblait que c'était bien ça, Lightless. C'est pas un horror game ça, Lightless. Mais un horror game poétique. Style Labyrinthe de Pan. Je crois pas. J'ai appuyé sur le bouton. Ah oui, mais c'est vrai que ma souris elle déconne un peu. Alors. Colibris. Nanana. Indépendant gratuit aventure horreur. Voilà, c'est ça. Bon, je suis pas fan des jeux d'horreur. Par contre, il peut pas me cacher ça. Ah mince, j'ai appuyé dessus. Flûte. Ah bah non, mais en fait, ça fait rien du tout. Oh là là. Donc, à voir ce que ça donne. Bah, c'est souvent du point and click, tous ces trucs-là. Donc, on a des éléments à chercher dans le décor. À voir ce que ça donne. Ah oui, ah ouais, c'était. Oh, si, si. Si, on avait testé ça. On avait testé ça. Enfin, je l'ai testé. Non, là, je l'avais pas testé en live. Je l'avais testé en off. Hop. À voir, pareil. Ce que ça donnera. Homeland Lay to Rest. Je sais plus. Ah, ça n'avait pas été hypé par ce truc-là. Ça, c'était une démo qui était très courte. Ça, je l'ai pas testé. Kerry était bien. Kerry était très très bien. Il faut que j'en parle. Donc, je vous le conseille. Kerry. Quand tu veux, vas-y, je vais appuyer 15 fois sur les boutons. Voilà. S'il te plaît. Donc, Kerry, celui-là, je vous conseille. Il est gratuit. Hein, il est gratuit. Il n'est pas en français non plus. Donc, il fallait que je prenne du temps pour savoir ce qu'il nous raconte. Voilà, on est dans les légendes nordiques. Vikings, etc. Des langages, des écritures runiques. Des quêtes, etc. Vraiment très mignon pour un jeu gratuit qui n'a pas l'air d'être un prologue. Hein, ni quoi que ce soit. Donc, à voir ce que ça donnera. Mais ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Ah, il est quali, hein. Il est très quali. Pour un jeu gratuit, je suis vraiment assez surpris d'ailleurs de le voir passer par ici. Et donc, celui-là, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment de vivement. Hop, chercher un autre mot, mais je l'ai pas trouvé. Et du coup, ça va être cool. Tout va être cool. De toute façon, là, tout est cool. C'est la fête. Youpi, tralala, quoi. Ah non, mais ça va le faire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, ouais, je refais un petit peu hein, le bilan de ce qu'on avait vu la dernière fois. Nora, je sais même plus ce que c'est, ça. Je redécouvre avec vous. Hein. Nora. Nora, Nora, Nora. Ça me dit rien. Pourquoi ça me dit rien?
Des avis positifs, sorti officiellement le 11 mai 2020. Platformer et précision. Ah, du 2D. Petit côté cartoonesque. Pourquoi ça me dit rien? Ça me dit vaguement quelque chose. Donc on a une créature qui s'échappe d'un laboratoire, c'est ça l'idée? Ah mais si! On y a joué à ça? Je m'en souviens plus. Bah je sais que je l'ai testé. Ah si, je me souviens un petit peu. Oui si. Ok. Bah j'ai pas dû le tester en live. Ah si. Ah oui, c'était pas facile. C'était pas facile. Celui-là, il mérite sa vidéo sur YouTube. Il y en a tellement. Ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Et du coup, il va falloir que je me garde au moins une journée ou deux quand je vais pas streamer pour en parler, quoi. Ah la vache. Il y a Tesla Force qui est excellent aussi, hein, qui est un, j'allais dire un Ken Slash, mais c'est pas vraiment un Ken Slash vu que on utilise une arme, c'est plus un, c'est pas un beat'em up, c'est un, c'est pas un shoot'em up, c'est un twin stick shooter. Voilà, ouais, il va y arriver. Hein, il faut que je reprenne mes marques. Astrolode, c'était vieux. Je l'ai pas testé encore. Ça doit être un des seuls que j'ai pas testé. Parce que j'ai eu le temps hein, de en faire quelques-uns. Alors c'est marrant parce que ça s'affiche pas le nombre d'heures que j'ai pas de succès dessus. Ça c'est mon style aussi. Vous allez me dire, ah, c'est dégueulasse et tout, c'est vieux, machin. Ouais. Mais le gameplay, ça donne quoi le gameplay? Est-ce que le gameplay il est intéressant ou pas? Parce que un beau jeu ne fait pas un bon jeu. Mais sinon, quand le gameplay est là, oui, il fallait pousser des cases, je crois, pour faire des alignements. Il y avait un truc comme ça. Il fallait les transformer. Non, à mon avis, si, il y a un côté puzzle. Donc, puzzle réflexion, hein, puzzle game. C'est pas des jeux où c'est des puzzles. Donc, ça existe aussi. Mais sinon, ça m'a l'air d'être assez stylé. Faut voir. Ah, on peut les tourner et tout. Ah, mais attends, mais si, niveau gameplay, il y a des trucs, hein. Bah, à voir. À chaque fois, de toute façon, je vais dire à voir. Donc, ça, par contre, ça me saoule, là. Activer Windows, il va falloir que je le fasse. Mais je le ferai plus tard. Tant que pour l'instant ça fonctionne, on va dire qu'on est bon. Du coup, j'avais la flemme de tout mettre à jour. Moonrise, je m'en souviens plus. Je me souviens plus du tout de ce que c'est. Bah oui, bah écoutez, hein, plus de 15 jours sans PC, il y a un moment donné, voilà, hein, quand on est au taquet sur l'actualité du jeu vidéo, on peut pas tout retenir. Faut que le cerveau il fasse de la place. Ah oui, alors j'étais intrigué. J'étais pas forcément hypé, j'étais pas sûr de vouloir en parler. Pourquoi voilà, tu ralentis toi le jeu? Je vous dis, il faut que je récupère de la RAM. Bon, faut que j'installe Windows aussi. Enfin, que je l'active. Oh là, bonjour! Bonjour! Ah bah le Gruyot! Super, et merci pour le host. C'est le host ou c'est le host ça? Et pourquoi j'ai pas mon image? Il y a eu une image? Comment ça va Gruyot? Il y a une image avec un Watchmen où il faut que je remette Streamlabs bien. J'ai pas fait gaffe. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu d'image. Ah mince. Ah, le retour. Le retour. Du coup, voilà. Donc ça, c'était le bilan. Oui, c'est l'hébergement, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est marqué sur le chat, c'est bien foutu. Donc c'est cool, je vous conseille toujours Coromon. Coromon, il y a eu de la main, j'ai bien envie d'y retourner. Hein. Est-ce que déjà on va pouvoir passer en full screen avec Coromon Demo? Si ça se dit comme ça, c'est de l'anglais. Alors, hop là. Oh bah et la musique qui coupe comme ça, ni vu ni vu. Ah, je vous dis, hein, il y a. Bon, tout n'est pas au point, hein, le PC est tout neuf. Hein. Hop. Voyez une image. Ah, ça va bien, ça va très bien. J'avais plus de PC. Alors déjà j'avais plus d'internet déjà parce qu'il y a eu des travaux. Alors toute une histoire. J'étais en train de regarder un live. Oh là, il y a 15 jours de Dame Zombie, hein, Dame Zombie qui accueillait Étienne qui est un graphiste, qui est le graphiste de Steam Dolls que je vous montre ça. Steam Dolls qui est un jeu qui est en early access, qui bénéficie d'un Kickstarter d'ailleurs. Etienne, c'est le graphiste qui stream de temps en temps, qui streamait la nuit, c'est comme ça que je l'ai connu.
on a fait copain-copain. Je vous montre Steam Dolls. Et donc, Dame Zombie, elle devait faire un cosplay. Et donc, elle lançait son live à 17h30, 17h40. Et à ce moment-là, au moment où le live commence, je fais coucou dans la chatroom. Plus d'internet. Donc, vidéo hein, de démo, jeu, démo gratuite. Oh là là, je trouve plus mes mots. Et donc, c'est ça. Regardez. Hop. Donc c'est ça, ça c'est Steam Dolls, c'est un platformer, vous incarnez un héros badass dans un univers steampunk. Il y a une inspiration Mortal Kombat, quand on finit les ennemis et tout, clac, on leur plante des pointes dans la tête. Il ressemble un petit peu à Deathstroke, il est entre Deathstroke, Batman, Deadpool. Donc on est dans un univers post-apocalyptique. Et le but c'est de monter au sommet d'une tour. Et il y a tout un lore. Il y a deux BD aussi hein, qui existent, deux tomes qui sont sortis. Donc là, Steam Dolls, le jeu est dans cet univers. Donc vous pouvez le trouver sur différents supports. C'est plutôt cool. Et donc, elle devait en parler et accueillir Étienne et tout. Ils l'ont fait. Hein, ils ont fait tout un live pour présenter le jeu, etc. Donc, Dame Zombie, qui est une cosplayeuse, mais qui joue aussi, qui stream hein, sur différents jeux. Et ça m'a embêté parce que ça faisait longtemps qu'Étienne il avait pas streamé et plus d'internet. Donc ça, la chaîne YouTube c'est Mister Nose, MRNAUSE, pareil, t'enlèves TV et tu le trouveras. Il doit être en dessous, tu dois avoir un lien sous le live. Hop, si tu scrolles un petit peu, t'as le Twitter et t'as le YouTube. Hop, et ça aussi il faut que je bricole. Donc on y reviendra. Fait vraiment pas beau dehors. Donc Steam Dolls, hein, je vous invite à découvrir. Vous pouvez tester la démo et ce sera cool. Donc plus d'internet. Qu'est-ce que je fais, garçon? Devine. Eh ben, j'ai pas de portable. Enfin, maintenant j'en ai un, mais pas d'internet. J'ai juste un fixe. Comment je fais pour prévenir les gens? Bah, je vais toquer chez le voisin. Bonjour, est-ce que je peux te taxer un coup de fil pour appeler papa, maman, pour que... Parce qu'eux, ils ont un portable. Hein, la famille, hein, c'est ce qui reste. Hein. Les amitiés, ça va sans rien, mais souvent, la famille, ça reste. Donc, appelle les voisins pour... Qu'est-ce que mes parents, ils vont pas s'ils veulent de mes nouvelles. Genre, je les appelle déjà pour dire, vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai plus d'internet. Donc, obligé de faire des allées et venues pour contacter Orange, etc. Orange dit on va envoyer des techniciens. Les techniciens ils arrivent deux jours plus tard et ils font on a testé, ça vient pas de chez vous, ça vient de la rue, la coupure, mais c'est un réseau SFR. Super, donc il faut qu'il y ait un technicien de SFR qui le vienne. Alors, technicien de SFR qui le vient, nanani nanana, il fait effectivement, j'ai trouvé d'où ça venait. C'est dans la rue là-bas, à l'autre bout du monde, il y a eu une coupure, il y a eu des travaux, les mecs ils ont bricolé, ils vous ont coupé votre fibre, mais physiquement. Donc il fait la soudure et tout, donc la soudure est faite, j'ai du réseau, mais pas d'internet. Yes, merci bien pour le follow. Et du coup, il me fait, faut rappeler Orange. Ah, purée. Donc le lendemain, je rappelle Orange. Donc voilà, obligé de me débrouiller pour avoir un portable et tout. Ils me font, votre mot de passe et votre identifiant, il a été résilié. Donc vous avez de la connexion, mais en fait, c'est comme si vous étiez plus abonné. Ah, merde, donc obligé d'avoir un gars au téléphone. Bonjour monsieur et tout. On va vous donner un nouvel identifiant, on va vous redonner un mot de passe, paf, paf, paf. Donc ça se fait sur 3 jours, hein, tout ça, 3-4 jours. Je récupère internet, ouais, ça y est, ça marche, c'est la fête, tatati, tatata. Je relance un live, donc le dernier live qui est en date, là, avant celui-ci. Ouais, super, j'ai récupéré internet, machin, ça fonctionne. 12 heures plus tard, l'ordinateur qui s'éteint. Oh, j'ai fait, mais merde, le karma, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que en fait la carte mère elle a cramé. Elle avait 5 ans. Elle a cramé. Pourquoi elle a cramé? Je suis dans un tout petit appart. Et ça prend la poussière assez vite. Mais le problème c'est la nicotine. Le problème c'est de fumer derrière son PC comme un pompier. Et ça abîme tout ce qui est hardware.
Donc interdiction maintenant de cramer une clope derrière le PC, c'est à la fenêtre. Pardon. Et du coup voilà, ça pourrit mon engin et ça m'a coûté 300 boules. Et je l'ai récupéré hier après-midi. Et donc voilà, vous voyez là, j'ai pas réactivé Windows, il faut que je réactive Windows, il faut que je retrouve ma clé, donc j'ai une petite application pour pouvoir retrouver ma clé Windows et tout, parce qu'il va me le réclamer. C'est pour ça que je l'ai pas lancé, parce que j'avais pas envie de planter le PC encore. Là, je suis pas doué, mais ça va se faire. Déjà, je suis là, je vous parle. C'est cool. Et on va pouvoir regarder ensemble l'actualité du jeu vidéo gratuit. On va pouvoir jouer aussi. Donc, activer Windows, je le ferai plus tard. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'ai envie de jouer, j'ai envie de parler, j'ai envie de partager. Agent Zéro. Hop, revenons à nos moutons. Celui-là, je l'ai testé. Pareil, j'ai eu le temps de le tester. Il est bien. Eh bien, vous avez un petit bonhomme. Voilà, alors c'est puzzle game aussi, où vous allez pouvoir tourner les pièces dans lesquelles vous vous situez pour aller, vous êtes un espion style James Bond, donc il va falloir pirater des ordinateurs, aller chercher des passes, des plans, et donc ça se trouve dans différentes pièces. Par contre, il y a un timer, il faut éviter les méchants, enfin les méchants, c'est peut-être nous le méchant dans l'histoire, et du coup, c'est très bien foutu, même Seldale, il en avait parlé. Quand Seldale il parle d'un jeu même gratuit, c'est qu'il est bien. Et oui, les méchants ils peuvent sauter d'une pièce à l'autre. Hein, ils trichent avec la 3D. C'est assez marrant. Il y a des codes couleurs pour savoir quelle porte va ouvrir machin. Donc c'est plutôt cool, c'est bien foutu, c'est pas facile. Hein. J'y ai joué vite fait, j'ai dû y jouer entre un quart d'heure et 5 minutes. Peut-être plus 5 minutes qu'un quart d'heure. Mais voilà, il est à votre disposition. Faut voir, faut que je me fasse la main, surtout si je veux en faire une vidéo sur YouTube. Là, il faut vraiment que je crée du contenu là sur la chaîne, parce que ça fait trop longtemps. Mais sympa, donc gratuit ça. Gratuit. Donc je vous invite à le découvrir. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Arena, on en a parlé, je vous en ai fait une vidéo sur YouTube. Armilo, je vous en ai parlé. Tout de suite, moi, Astrolode. Alto Demo, on en avait parlé aussi. Bandfinder. The Pilot, on l'avait vu aussi. Black Silent, bon, je vais peut-être pas refaire hein, toute la liste non plus, hein, on l'avait déjà faite. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde justement ce que Steam a dans le ventre en qualité de jeu gratuit. Donc déjà, si je vais par là, est-ce qu'il y a des choses que j'avais pas vues, qui m'a mis de côté? Pass of Exile, est-ce qu'il est en français? Là, en français, j'ai jamais accroché Warframe, très bon Warframe. J'ai jamais à War Thunder aussi, c'est vachement bien. Paladin, c'est bien. Smite, j'y ai pas joué. Team Fortress 2, mais comment ça se fait qu'il me propose ces jeux-là? Rider of Icarus, ouais, c'est bien, mais en multi ça. World of Warship, mais c'est des vieux jeux ça. Pass of Exile, ils l'ont mis en français ou pas? Il est en français maintenant, Pass of Exile? Ah, ce serait intéressant, c'est un Diablo-like, un hack and slash, qui est très 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 complet. Très complet. On va voir, hop, on va retourner à la une. C'est les soldes en ce moment, les soldes d'été hein, sur Steam, Subnautica, hein, si vous avez l'occasion d'y jouer, vous pouvez le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a du gratuit? Ça, c'est tous les jeux que j'ai pas pris. Ah, si je les ai pas pris, c'est qu'il y a une raison. Ça va, le son, c'est pas trop fort? Ça le fait, ça vous endort pas. Alors, voyons voir, qu'est-ce que Steam me propose. SCP Outer Sight, ça me plaît pas. C'est du VR ça à moitié. Bon, ça va pas me plaire. Everslash, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait que ce soit. Ah, si, il y a la démo qui est gratuite. Ouais, mais j'en ai déjà des tonnes. J'en ai déjà des tonnes, des jeux à tester, des démos aussi. Donc on verra ça un autre jour. Si on le voit un jour d'ailleurs, il y aura d'autres personnes pour en parler. Harrison, c'est joli, j'aime beaucoup la miniature. Prévu pour bientôt. Qu'est-ce que c'est? Action, aventure, RPG, histoire visuelle. Ah, nudité. Arrête, nudité, c'est parce que tu vois une épaule et puis trois chevilles, c'est ça? Ça me bouffe le tag nudité. Autant tu peux tomber sur des trucs hyper hard,
Mais en général, dès que tu vois une fille, tu vois son nombril, ça y est, c'est nudité, quoi. Faut arrêter de déconner, quoi. Oh, attention, un décolleté. Faut pas s'émoustiller pour si peu, hein, les gars. Alors ça peut être marrant, mais c'est pas ma cam. Alors, par contre, si, c'est ma cam parce que c'est Anima Games Platformer. Ça aurait été gratuit. Hop, j'en parlais. Ah, ça aurait été cool. Coco Clover Part 1. Donc, il y a plusieurs chapitres. Ils auraient pu mettre un chapitre gratuit, hein, surtout s'il y en a plusieurs. 4 juillet 2020, à voir. Je ne vous l'ai pas mis en plein écran, mais on voit le genre. Ça intéresse personne. Ça. Alors, ça, hop, suivant. Hop. Alors, Vector Mirror. Ah, bah, gratuit. Ça, c'est de la réflexion. C'est pas du VR, ça. Non. Non, c'est pas du VR. On va l'ajouter à la liste de souhaits. Où est-ce que je le prends? C'est spécial. Tu vas voir en full screen. Oh là, ça pique les yeux. Mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais jeu. Ah ouais. Ah, le vert dégueulasse. J'ai horreur de ce vert là. Alors, c'est pas du tout ma cam. Ouais, ok, c'est du parcours. Ça a l'air d'être un peu mou. Ça a l'air d'être un peu mou. Bah pourquoi pas. Hein. Alors c'est pas du tout mon truc. Par contre, ça peut plaire à beaucoup de gens. Je sais pas vous. Mais bah, je vais le prendre. Je vais le prendre. Allez, vas-y. Hop. Je vais le mettre de côté. Et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, il faut bien que j'en prenne. Là, sinon, il n'y a pas d'émission. Allez, go! Tu me télécharges ça et puis on va voir ce qu'il y a après. Mon premier jeu gratuit hein, de la liste là qu'on découvre. Ça, on s'en fout. Hein, on s'en fout, c'est pas du gratos. Golf on Mars, pourquoi pas? Vous voyez là, j'ai des coupures de son, c'est pas bon ça. Ça pourrait être bien Golf on Mars si c'était gratos, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ça m'a... Alors ça, c'est gratuit, mais alors ça m'intéresse pas non plus. Hein, les jeux de billard comme ça. Est-ce que ça vaut le coup d'être présenté? Bah, j'ai appuyé sur... voilà. Ok, avec 3 secondes de retard, le temps d'appuyer sur le full screen. Je vais le mettre dans ma liste de souhaits parce que comme ça il me le suggérera plus. Et ça m'étonnerait que je m'y attarde. Donc je vois pas pourquoi je le mets dans ma liste de souhaits, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, quand tu veux. Quand tu veux, j'ai appuyé sur le bouton là. Est-ce qu'on est de retour pour vous jouer de mauvais tours? Ah, il a pas aimé le téléchargement, le bordel. Je vous dis, j'ai plus assez de mémoire. Ah non, ça le fait pas ça. Allô, allô, il y a quelqu'un? Attendez que je vérifie un truc. Ah ouais, non, mais il lag à mort le truc. Ah non, ça va pas. Ça va pas ça. Allô? Alors juste gestionnaire de stream, je vérifie qu'on soit bien, ensemble. Quelle merde! Quelle merde! Ah, si je peux plus télécharger des trucs. Oh là! Attendez, attendez. Tout revient. Alors, c'est bon. On est là. On est là. Même si Macron le veut pas, on est là. Voilà. Est-ce que c'est fluide? Coucou. Coucou. Tu parles un bordel, toi? Hop, le retour du fils de la revanche de la suite numéro 2. Bon, bah ouais, bah voilà, bah ce sera un live en deux parties, quoi. Non, en fait, il aime pas que je télécharge en même temps. Oh la vache. Ah non, mais il me faut de la RAM là, les gars. Ils sont où mes 4 Go de RAM là qui me manquent? C'est la merde. C'est la merde. Bon, et de toute façon, il faut que je réactive Windows et tout. J'adore quand ça plante comme ça. Bah écoutez, je ferai un montage. Bah par contre, pour le replay, oh, ça va être galère. Ça va être galère, puis ce sera du 720 au lieu du 1080. Mais c'est pas grave. J'arriverai à me démerder comme ça. Je vais attendre qu'il termine le téléchargement, la Steam.
Et puis on va reprendre. Le Griot, est-ce que t'es encore là? Ou pas? À mon avis non, parce que le live a planté. Mais maintenant c'est bon de nouveau. Et on va voir. Donc on était en train de parler d'un jeu gratuit, tout en japonais apparemment. À voir ce que ça donnera. Ah mais la vache. Alors, du coup, j'attends la fin du téléchargement. Steam qui s'est réduit tout la fenêtre et tout. Tu parles d'un bordel, toi. Hop. D'accord. On va faire les choses comme ça. Ah puis là, il n'y a plus rien qui répond. Si c'est bon. Si c'est bon. C'est bon. Voilà, voilà, voilà. On y retourne. Ah, pap, 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 pap. Toc. Bougez pas, je remets l'image en arrière. Il répond à rien du tout le truc. Hop, je mets sur pause. Ah, ça bricole, hein, ça bricole. On est dans la merde. On est dans la merde, mais ça va revenir. Alors, du coup, on en était où? Capture d'écran, bougez pas. Tac. Voilà, c'était ça qu'on était en train de regarder. A fini de télécharger. Alors il a pas du tout. Je pense que c'est le téléchargement hein, qui a fait planter le stream. Donc bah écoutez, dans le futur, je ferai gaffe. Je le mettrai plutôt dans ma liste de souhaits. Ça va s'arranger avec le temps. C'est juste que là, j'ai récupéré le PC il y a pas longtemps. Donc il faut que je mette tout à jour. Donc ça a l'air d'être un petit peu spécial tous ces trucs là. Ah tu parles d'un bordel toi. Oh, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, c'est gratuit, mais alors c'est pas pour ça que c'est bien. En général, même pas trop. Vas-y, je vais faire une réduction là. Hop, c'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, ça peut être marrant. Ouais, ça a pas l'air d'être compliqué au niveau du gameplay. Bon, on va voir la suite. On va voir la suite. Go et ça, Yunsung Kingdom. En général, j'aime pas ces jeux-là. Ah, les jeux style RPG Maker, là. Pas en français en plus, et c'est très verbeux. Par contre, des combats tour par tour, un peu style Final Fantasy, l'inspiration. Je l'ajoute à la liste de souhaits, histoire qu'il ne me suggère plus. Bon, on va clore la liste. Ah, mais merde, j'ai un viewer et puis le truc il plante. Hop, retour à la une. Ça commence bien. Ça commence bien pour une reprise, merde. Alors, du coup, ah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si à chaque fois que je fais un téléchargement, ça fait planter le stream, on va pas être copains, quoi. C'est pas normal que ça saccade comme ça. Surtout que, ouais, non. Surtout que la carte mère est censée être plus puissante que ce que j'avais avant. Donc à voir. Modest Hero. Moi, ça peut être intéressant. C'est pas gratuit. C'est pour le 14 juillet 2020. On verra un autre jour. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Ça non plus. Action Aventure Platformer non plus. On veut du gratuit. Moi je veux du gratuit. Vous allez me dire mais pourquoi tu tapes pas les tags tout de suite dans ta barre de recherche jeu gratuit. Eh ben souvent ils me proposent pas les jeux les plus récents. À voir. Bon ça c'est non hein, c'est un logiciel. Celui-là j'ai l'impression de le voir 15 000 fois. Hein. Toujours le même jeu, même s'il a des titres différents. Il est gratuit certes, mais ça va être trop compliqué pour y jouer. Et j'ai l'impression qu'il y en a 10 000 des jeux de cette catégorie, ou enfin de le revoir 1000 fois. Donc ça va être non hein. Enfin, c'est non. Et ils le vendent. Hein. Ils le vendent ici. Ça va pas me plaire ça. Si, ça va peut-être me plaire. C'est gratos. Alors voyons voir. The Fantastic Adventure of Monsieur Grape. Non, hein. Non, ça va être non. On en a vu 15 000 des jeux comme ça. J'aurais rien à vous présenter. Je m'attarderai peut-être dessus. Mais là, c'est pas trop ma cam. Unicorn Dreams. Au moins, il a une tête rigolote. Mais c'est pas gratos. Donc on va passer à autre chose. Juste, c'est quoi ça? Be Afraid, c'est gratuit.
Bah, du coup, je le mets dans ma liste de souhaits. Hein. Tiens, vous voyez, ça ralentit encore. Là, il s'est arrêté direct. Et là, j'appuie sur le bouton et il veut rien savoir. Et je scroll, il veut rien savoir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je vous dis, hein, il me manque de la RAM. Ou alors, Steam déconne, hein, ce qui est possible aussi. Ajouter à la liste de souhaits. Il valide pas. Attends. Bibliothèque. Il charge même pas. Bah, Steam. Ah, mais il est tout pété le live là. Merde. Oh là. Oui, bah ouais, Steam qui a du mal. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je vous mets ma tête. Hop. Voilà, comme ça. Le temps que ça s'arrange. Mais. Oh là! Oh là! Le retour a l'air d'être bon. Ah, mais Steam me fait la gueule. Hein. Et j'en ai besoin de Steam. C'est mon support un petit peu de travail. Puis si j'ai envie de faire des jeux, là, on fait comment? Ah, Steam répond plus du tout. Bon, ça va revenir. Vous inquiétez pas. Enfin, moi, je m'inquiète un peu quand même. Quelle merde. J'aurais presque envie de le relancer. Ah, il faut que je fasse ce qu'il faut aussi. Hein, réactiver Windows, ça pourrait faire partie des trucs à faire. À voir. Mais je vous dis, là, le fait qu'il me manque 4 Go de RAM, ça facilite pas les choses. Et là, Steam veut plus rien savoir. Je vais le relancer. Attendez, fermez la fenêtre. Fermez le programme. Toc. Il peut y avoir un petit ralentissement. Je vais relancer Steam. C'est pas normal. Ah, je vais fermer BlueStack aussi qui me prend de la RAM. Alors, fermez la fenêtre, BlueStack. Ah, je me suis fait virer de la team aussi sur Marvel Strike Force. Bah, parce que j'étais plus là. Hein. Au bout d'une semaine, les gens ils te virent. Voilà, c'est cool. Ils sont à fond dans leur jeu aussi. Bon, tu te fermes, BlueStack. Hein, ferme-toi. Il veut pas se fermer. Si, il va se fermer. Hein, parce que ça peut prendre de la ressource. Et bah voilà, hop, ça apparaissait sur OBS. L'option garder ou fermer. Super. Hein, donc la reprise, elle est toute pétée. C'est ça qui est bien. Et relancer Steam. Donc OBS est lancé, nanana. Non, parce que j'ai vraiment pas grand chose d'ouvert. Et comme ça, on va reprendre hein, là où on avait laissé les choses. Et vas-y, connecte-toi au compte. Ah, c'est bon, ça revient. Voilà. Voilà, on est professionnel. C'est ça qui fait plaisir. Donc, là, je souhaite, on était où? Tu parles d'un bordel? C'est tout pété. Moi qui veux mettre ça en temps fort en plus, là, ces émissions-là, ça aide pas. Donc, ici, toc. Donc, Launching gratuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un jeu de stratégie tactique au tour par tour en général, j'aime bien. Les mechas et les robots, j'aime bien. Il y a l'air d'avoir beaucoup de texte. Vas-y, fais voir. Ah, bah, ça répond mieux. Je pense qu'il fallait que je ferme BlueStack. Hein. Faut vraiment que. Oh là. Alors faut voir le gameplay, sinon là c'est pas beau. Hein. Alors, j'aime bien quand ils disent mecha et tout. Ça me fait penser à Sunrider, souvenez-vous, on avait parlé de Sunrider. Ouais, ça me hype pas, hein. Je la mets dans ma liste de souhaits histoire de garder pour plus tard. D'ailleurs, j'ai dû mettre des trucs dans ma liste de souhaits que je vous ai pas montré. À voir. OMG, One More Goal. 1,43€. Bah merci, au revoir, hein. On n'en veut pas. Ah, mais j'espère que ça va le faire, que je vais pouvoir jouer en même temps que je stream là. Du coup, on va voir. Commencer une autre liste, ça marche jamais. On va découvrir ça tout de suite. Il va faire non, ça plante. Et voilà, ça plante. Je sais pas à quoi sert leur bouton. Je sais pas à quoi ça sert qu'ils nous le proposent sur cette page. Autant venir sur la page d'accueil et de relancer manuellement par nous-mêmes. En général, manuellement, s'ils sont vents par nouvelles. Hop, là. La découverte. Oh, Deep Space Gardening. Oh. Je veux ça. Attends, je veux ça.
Ah, c'est de la coop locale. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de petite vidéo pour illustrer le truc. Bah, parce que j'aime bien les jeux de farm. Ça pourrait être ma cam, hein. C'est pas du gratuit. Ça sort, voilà, début 2021. Ah bon, ça me fait penser à des Landes, hein, bien sûr, sous la forme que ça se présente. MMR. Juste, je regarde un truc. Hop. Donc c'est cool. Allez, c'est parti. Ça, c'est quoi? C'est un jeu, c'est Grid. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on. Oh là, ça pique les yeux. Alors, ça, c'est même pas gratuit. D'accord, bon, on verra un autre jour. Et c'est du VR en plus. Donc, truc crash. Voilà, ça, c'est. Ça, à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, et ça se vend. Hop, on n'en veut pas. Colorize, on n'en veut pas. Ce sera pour un autre jour. Pouf, ça m'intéresse pas. Ça serait du VR. Ben, voilà, c'est du VR. Ça m'étonnerait pas. Pixel Fixer, hein, on n'en veut pas non plus. Vas-y, mais propose-nous du gratuit. L'ordinateur, la Steam. Propose-nous du gratuit. Oh, Kawaii. Time Assassin. Pourquoi pas? 1,59€? Bah, pas. Merci. Ça pourrait être fun. Soundtracks, on s'en fout. J'ai la voix qui part en cacahuète. Monster Blast. Hop, pour un autre jour. On va regarder, hein, dans les. Oh là là, mais c'est ça qu'il nous propose. Attends, c'est ça qu'il nous propose. Y a rien de plus. Sérieux. Sérieux. Vas-y, propose-nous un jeu gratuit. On va voir. Si je fais. Attends, si on va faire. On va faire une recherche. Balance un truc. On va faire gratuit. Et on va faire par date. Gratuit. Hop, pertinence, non. On va faire date de sortie. Alors, ça on a vu. Using Kingdom, on a vu. Flash Nuker Games, on a vu. Ça aussi, on a vu. Y a rien. Mad Gun. Ah, Mad Gun. Ah, Mad Gun, ça peut être sympa. Est-ce que. Alors, attendez. Ah, Mad Gun. Mad Gun, du FPS. Bon, pas extraordinaire, mais ça peut faire le café. Ça a l'air d'être. De devenir des pays de l'Est, là. Et il doit y avoir une traduction anglaise. Bon, ça peut être marrant. Moi, je qui suis pas trop FPS. Par contre, si tu joues tout seul, c'est du multi ou c'est du local, ça? À voir. Ça peut être marrant. Ce tir PVP multijoueur. Bah ouais, mais les gars, ils sont tous sur Call of, les gars. Surtout que Call of, c'est Call of qui est passé en gratos. Il me semble qu'il y en avait un. Il me semble qu'il y a un Call of. Bah, de toute façon, il y a le Warzone. C'est Warzone. Qui est gratuit. Ah, il y en a un, hein, qui est gratos. Don't be afraid. The first toy. Un autre jour. C'est pas ma cam. Ça, on l'a vu. Donc, ça pourrait. Fantasy General Prologue. J'ai pas vu passer ce truc-là. Fais voir. Si, je l'ai vu passer. Attends, on va l'ajouter à la liste de souhaits. Oh, mais ça peut être bien ça. Je veux ça. Avec des araignées géantes et tout. Et français disponible. Mes meilleurs jeux. C'est dommage, il manque une petite vidéo, mais celui-là. Alors attendez, on va faire un test. Je vais essayer de le télécharger, puis on va voir si ça plante. Hop. Ah non, mais allons-y gaiement, hein. Comme ça, si on peut le tester, on verra. Donc, est-ce que ça ralentit? On va terminer. Déjà, est-ce que ça ralentit la qualité du stream? Non. Non, histoire d'être sûr, hein, que je vous raconte pas de la merde. Reviens en arrière. Non, c'est fluide. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Il y a peut-être eu une petite coupure internet, un truc, hein, allez savoir. Hein. Il y a peut-être eu un drop, ce qui fait que un drop de co. C'est pour ça que le stream a planté et que ça n'a rien à voir avec les capacités de mon PC. Alors souvent, quand on ne sait pas, on imagine plein de choses, on suppose, on suppute. Et en fait, la raison est tout à fait ailleurs. Project Senko, alors celui-là, mais oui, dans ma liste de souhaits. Ok, il a fini de télécharger, donc c'est bon. Monolight. Je l'ai mis dans ma liste de souhaits, Monolight.
et je l'ai pas téléchargé alors qu'il a l'air d'être quali. Bon, il fait penser un petit peu à Hugues, enfin ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais celui-là, il me le faut celui-là. Mais il fait partie des jeux que j'avais mis de côté. Bah oui, pendant, parce que j'ai mis des jeux de côté pendant. Mais oui, mais c'est ça! C'est ça dans ma liste de souhaits, vas-y, on télécharge. Me semblait bien, mais oui, si, c'est ça. J'en ai mis de côté pendant ce que j'appelle mon confinement ou la convalescence du PC. On va regarder. Si, si, dans ma liste de souhaits, j'ai mis des trucs de côté, bougez pas. Ça m'en revient. Parce que j'ai bossé quand même. Pendant que j'avais plus d'outils, vu que j'étais juste avec un petit PC portable, je me suis connecté sur le net à Steam, ce qui m'a permis de valider Madian. Bah voilà, Madian. Ça, je sais pas. Alors, ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Si, c'est pas beau. Alors, c'est pas beau, vu comme ça. Mais un jeu de construction de ville. Faut voir le gameplay. Faut voir si c'est fun ou pas. Alors, c'est moche, hein. Ça, là-dessus, on va être d'accord. Maintenant, est-ce que c'est fun? Parce que c'est toute la question. Si c'est fun, ça peut le faire. Et moi, je dis, il y a quelque chose. Alors, les polices de caractère, elles sont pas terribles. Mais il y a de l'idée. Donc faut voir après si ça devient un petit peu plus joli au niveau des interfaces. Après ça peut rester très très simple, hein. Mais s'il y a moyen de s'amuser, pourquoi pas? Souvent les jeux ils sont limités hein, sur la durée. Mais ça peut être marrant. Surtout si vous n'avez pas un PC avec des grosses grosses capacités. Au moins, vous avez accès au genre. À voir plus tard. Donc, Biofred, donc je l'ai mis de côté. Donc, Biofred, oh, je vous le montre quand même. Parce que voilà, il mérite. Donc, Horror Game. Hein. Horror Game, pas du tout ma cam. C'est sorti le 2 juillet 2020. Il a fait quoi là? Alors, voilà, hein, on est dans l'ambiance. Et je suis content d'avoir cette musique là. Hein, ça m'évite de flipper. Bon, quoique. Un truc comme ça, c'est pas super flippant. Quoique, faut voir. Ah, il y a un petit côté dungeon crawler, non? Où on tourne sur notre, dans les déplacements. Faut voir. Ouais, c'est creepy. Oh, bah oui, c'est creepy. Bon, voilà. Il y a, à mon avis, il y a moyen de flipper un petit peu. Hein, hop, pareil, vous aurez accès au genre. Je l'ai mis de côté celui-là quand même. Ouais, je l'ai mis de côté quand même. Niam. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les évaluations sont moyennes ici. On va voir. Il me semblait bien que. Ah, c'est un mode à la Skyrim, ça. Est-ce que. Oui, voilà. Faut Elder Scroll. Ah, c'est Oblivion. Voilà, je me disais, c'était pas assez beau pour être du Skyrim. D'accord. C'est un mode à la Oblivion. Il faut posséder le jeu Oblivion pour pouvoir jouer celui-ci. Midnight Renegade. Voyons voir ce que c'est. Je sais même plus. Pas d'avis particulier. Platformer. Très bien. Tutoriel? Comment ça, tutoriel? Un jeu, c'est un tutoriel. C'est-à-dire. Fais voir. Alors moi j'aime bien le côté pixel à l'ancienne comme ça. Hein. Nos yeux appartiennent à notre époque, c'est sûr. Il a l'air d'être fluide le personnage. Oh bah super, c'est déjà la fin. On le télécharge. Je télécharge, j'ai envie de voir ce que c'est. Je suis curieux, je suis curieux. Toc, revenons en arrière un petit peu. On va tester des jeux ensuite. Hein. Ça va le faire. Ah non, mais le stream qui plante. Ego in a coma. C'est pas un visual novel, non? Violence militaire. Militaire, arrête. Arrête, arrête. Si c'était vraiment ça, j'aurais eu un filtre qui m'aurait dit pays 18, et c'est pas le cas. Gratuit, gore, violence. Oh, ok, d'accord, c'est parce qu'il y a gore et. Oh, d'accord. Et je suis sûr que tu vois même pas un bout de téton. Et en plus, voilà. Il a eu des prix 2019 Showcase. Ah, mais c'est la bagarre, moi j'aime bien quand c'est la bagarre. Oh, ça a l'air complètement what the fuck. Oh, attends, c'est des mèmes ça. Attends, oh, ça a l'air d'être complètement barré. Oh, c'est drôle, ça c'est parodique. Parodique sarcastique.
Sans doute que oui. Je suis complètement... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je le veux, je le veux, je le veux. Ah oui. Ah oui. Ego in a coma. Ok, d'accord. D'accord, bah je valide. Hein. Je l'ai lancé, hein, je l'ai téléchargé, c'est ça? Non, je l'ai pas téléchargé. Fais voir. Ego in a coma. Non, je l'ai pas téléchargé. Ça me semblait bien. Vas-y, on télécharge. Hop, on joue au jeu. Ego in a coma. Hop, suivant. En anglais, oui, certainement. Toc. Vas-y, fais de la place. On va prendre. Je vais avoir du boulot. Alors, je présenterai pas hein, tous les jeux sur YouTube. Mais je pense qu'on y arrivera quand même. Bon, bah, quand tu auras fini de télécharger, tu me feras signe. Et il me fera signe, bien entendu, en bas de l'écran. Qu'est-ce qu'on a? Vas-y, mais reviens sur la page d'avant. J'appuie sur le bouton là. Ah. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? On doit arriver sur la fin. Chrome. Battle Arena. Ça, c'est du PVP, ça. Indépendant Action Casual, l'aventure. C'est pas du PVP. Un truc qui s'appelle Arena qui est pas du PVP. Vous remarquez, Arena, c'était pas du PVP. Par contre, ça a l'air quali. Ça a l'air quali. Oh, attends, si ça, on peut y jouer. Mais c'est ce qui est, c'est gratuit. C'est bien, attends, c'est gratuit ça. Après, c'est peut-être que ça. Hein. Ça se limite peut-être qu'à ça. Hein. C'est, vous avez un espace. Ça ressemble à un open world, mais c'en est pas un. Et ça va être des vagues d'ennemis. Et point barre. Mais il y a moyen de se marrer. Si on peut stuffer notre personnage, lui augmenter ses capacités et se balader un petit peu. Mais moi je dis oui. Hein. Et il est gratuit. On va le prendre. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Toc, terminé, merci. Ah ouais, bah, je regrette pas en fait d'en avoir mis de côté. Très bien, ça me convient. Et du coup, attendez, il y a qui? Est-ce qu'il y a du monde? Alors, bah non, y a plus personne. Hop, il y a que des bots. Du coup, je suis habitué au monologue, c'est pas grave. Du coup, vas-y, reviens en arrière, s'il te plaît. Est-ce que j'avais mis autre chose? Bug Blast. Ouais, ça c'est pas terrible, je pense. Et Monolight. Monolight, ok, je l'ai téléchargé. Bug Blast, classique. Ah, le pêcheur de nuit. Alors, par contre, c'est narratif. C'est narratif. Ça a des bonnes évaluations. Par contre, voilà, c'est pas disponible en français. C'est dommage. Donc, je pense pas que j'en parlerai. Mais bon, sauf là. Si vous êtes à l'aise hein, avec l'anglais, allez-y. Hein. Allez-y. Ça a l'air d'être stylé. C'est quand même beaucoup d'ambiance. J'avais eu un jeu comme ça avec un pêcheur. Pareil, j'en avais fait la traduction. J'avais passé du temps. Et puis, en fait, pour pas grand-chose. Fisherman. Je sais plus comment il s'appelait le jeu. C'était en 2D, par contre. Et c'était l'histoire d'un pêcheur qui tombait à l'eau et qui partait discuter avec des poissons. Un jeu dont la durée de vie était limité d'ailleurs. À voir, est-ce que j'ai mis autre chose? Monolight Alice, c'est un horror game ça aussi. Gatewalker, mais j'ai mis plein de choses de côté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en souviens pas. Ça, c'est gratuit. Oh. Ah, c'est pas du multi ça? Si. Campagne, ça me fait penser à mince, comment ça s'appelle, le jeu avec les géants là, le jeu avec les Vikings, je sais plus, ah, j'ai plus le nom en tête, je l'ai sur le bout de la langue. Ça a l'air, ça fait un Diablo like et tout. Comment il s'appelle? Vous voyez, avec des dessins un petit peu cartoonesques. Ah, mais c'est ouais, ça ressemble. Ah, puis, ouais, c'est sympa ça. En multi là, en coop. Comment il s'appelle déjà ce jeu? Avec je l'ai plus en tête. J'ai joué avec Sherry Sen, avec et puis tous ses amis. Ouais, ça a l'air stylé ça.
Est-ce qu'on peut jouer en solo? Tu vois, c'est ça, c'est le genre de jeu qui m'intéresse. Alors ça, par contre, à mon avis, le téléchargement, il va prendre un petit peu plus de temps. Vas-y, joue au jeu. Gatewalker, en alpha. Vas-y, je prends. Vous comprenez pourquoi je m'en sors pas? Au niveau de la présentation, parce que voilà, j'en télécharge 12, j'en présente 2 quoi, par semaine. Donc ce qui fait qu'arrivé la semaine d'après, voilà, j'en ai encore 12 de plus. Allez, donc Chrome c'est bon. On va télécharger-moi ça. Vas-y, reviens en arrière s'il te plaît. J'ai appuyé sur le bouton, là, Steam. Voilà, merci. Ah bon, la souris déconne un peu. Ouais, j'ai encore des choses à mettre au point. Ok, c'est bon. Bonjour. Bon, c'est la merde. Il va falloir que je rappelle les gars. Bon, je vais rien. C'est marrant parce que là, il me dit plus d'activer Windows. Oh, bah dis donc, tu parles d'un bordel, toi. Deux fois que ça plante là ce matin. Donc du coup, j'ai perdu tout le monde. À peine c'était le bonjour que ça y est, le truc il plante. Non, bouge pas. Est-ce qu'on récupère les gens? Est-ce qu'on récupère les gens? Oh là! Ah putain de botte à la con! Ah putain de botte de merde! Ah un botte à la con qui vient de. Oh là là, je sais, j'ai un de con. Je sais pas combien de. Parce que ça, c'est du bot, ça. Ah botte de merde! C'est ça? Non, si, ou alors il y a vraiment quelqu'un? C'est des vrais utilisateurs, ça? Ben, ça ferait plaisir, mais j'y crois pas beaucoup. Ou alors il y a eu un raid, bonjour! Ah, Crip Québec, bonjour! Ah oui, bah bonjour! Bah oui, bonjour! Bah bonjour tout le monde, désolé, ça a planté! Bonjour! Bonjour tout le monde! Je vais vous remettre un petit peu de musique! Bonjour, bah moi c'est Mister Nose, j'ai commencé! Le streaming en février dernier, je vais vous mettre de la musique. Bonjour et soyez les bienvenus. Je m'intéresse à l'actualité du jeu vidéo gratuit. J'ai récupéré mon PC hier, j'ai changé de carte mère, j'ai changé mon processeur, j'ai pas Windows qui est activé, j'ai voulu streamer tout de suite. Il comprend pas tout l'ordi. Normalement, voilà, j'ai les performances suffisantes pour vous faire de la qualité. Tout n'est pas au point, il y a encore des réglages à faire. Oh, je vous mets ma tête en grand. Soyez les bienvenus. Vous pouvez follow si ça vous plaît. Bon, pour l'instant, c'est pas très vendeur, hein, je le reconnais. Mais bon, c'est cool. C'est cool. Merci en tout cas. Crypt Québec. Alors, ils ont eu le temps peut-être de partir à cause du plantage. Bah ouais. Hein. Oui, bah écoutez, c'est pas très grave. Je vais vous mettre un petit peu de musique. Alors, non, on va remettre la musique. Deux génériques, c'est bien, j'adore. Deux fois qu'il plante hein, quand même ce matin. Bon, je rappellerai les gars, je vais faire ce qu'il faut hein, de toute façon. De mon côté, hop, toi t'es là, bah, sois le bienvenu. Comment on dit? JV 80, 89. JV, ça va. Alors attendez, on va se mettre dans l'ambiance. On va se mettre dans l'ambiance parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, on va repartir sur les bonnes bases. Tac, hop, hop, on va faire ça. Toc, ça c'est ma petite musique de générique libre de droit, bien entendu. Hop, là tu m'avais follow il y a un mois, mais il me semble, ouais, ton pseudo il m'est pas inconnu. Donc, hop, alors, attendez, on va faire ça, on va remettre du son. Tac, tac, c'est parti. Est-ce qu'on est bon au niveau du son? Voilà, parce qu'il faut, hein, il faut qu'on se mette dans l'ambiance. Yes! Tout va bien, tout fonctionne. Elle pète cette petite musique. Bon, alors du coup, ah oui, bah oui, il faut mettre de la musique libre de droit. JVT, non, sans request avant, mais bon, JVT, j'avais. Ah, je suis nul en diminutif.
Donc on était en train de voir les jeux gratuits, de qu'est-ce que j'avais mis de côté. J'étais en train de faire des téléchargements, on était sur quoi. Du coup, Get Walker. Hop. Ah oui, mince. Ah putain, vas-y, achète-toi les neurones. Oh là là. Ça, il m'en manque. Oh purée de punaise, tiens. Du coup, ma liste de souhaits, voilà, on était en train de télécharger un truc, mais je sais plus ce que c'était. Mais ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que quand j'ai mis mon ordinateur en maintenance, j'avais 8 Go de RAM. Je le récupère, j'en ai plus que 4. Donc il y en a qui ont disparu. Et ça peut peut-être jouer, parce que le fait de streamer, de télécharger des trucs, peut-être qu'il aime pas ça. Vous êtes encore 16, merci beaucoup. Eh ben, j'en ai jamais eu autant. Bah si, quand Herman Philly m'avait raidé, ils étaient 50. Mais pour mon premier stream, donc ça fait février, c'était 29 février que j'ai commencé. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 5 mois qu'il n'y a pas eu autant de personnes sur le stream. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est cool. Ah la vache, donc on était, je remets ça dans ma liste de souhaits. Alors du coup, il a sans doute pas voulu que je télécharge mon truc, je le ferai peut-être en off. Ça avait l'air d'être un peu gros. Je vais vous mettre une autre petite musique libre de droit quand celle-ci elle va se terminer. Bon, je prépare tout ça, c'est cool en tout cas. Donc oui, alors vous pouvez me retrouver sur YouTube. Parce que je fais de la présentation, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a les replays hein, en général, des live Twitch, mais je m'intéresse à. Bah, je vais vous montrer en fait, tout simplement, à tout ce qui est actualité du jeu vidéo gratuit. On va trouver juste musique libre de droit, hop, histoire d'être tranquille et tout, et d'avoir un support derrière. Oui, je suis en France. Alors, musique libre, toc toc, une petite playlist ici. Yes. Voilà. On dirait les musiques du Palmacho quand ils font des parodies. Ouais, moi je suis dans la vie. Moi, tu sais, je kiffe. Je kiffe ta bouche, je kiffe tes yeux et tes oreilles aussi. Parle-moi, quand tu te tais, je t'entends pas. Allez, freestyle, yeah. Ouais, c'est la parodie de Monsieur Gibbs. De Maître Gibbs, putain, je sais même pas comment il s'appelle. Yeah. Ah là là. Avec mes pieds et mes baskets, je marche dans la cité. Et je fais avec. Oh merde. Oh merde. Que de la merde. Alors, j'ai dit, j'allais vous montrer que je me présente un peu quand même. Allez, vite fait, vite top. Donc en fait j'ai un concept sur Twitch, je vais vous présenter l'actualité du jeu vidéo gratuit. Tout ce que j'ai pas le temps de vous présenter sur la chaîne. On va se faire peut-être avec une capture d'écran, ça peut être pas mal. Donc vous pouvez me retrouver ici, Mister Nose. Oh bah un abonné en plus, c'est cool. Ça fait un mois là que j'ai pas sorti de vidéo parce que. Enfin du moins sur des vidéos travaillées, parce que sinon vous avez toujours les replays qui sont disponibles dans les vidéos. Et du coup, j'ai différentes catégories, donc les jeux en vrac, ça c'est les vidéos qui marchent le mieux, donc on s'en dépasse sans vue, hein, parce que voilà, je suis à 700 abonnés. Donc, les jeux gratuits, hein, donc tout ce que je chine sur Steam et même ailleurs, est-ce que c'est pas trop fort le son? J'ai l'impression que c'est un peu fort la musique. J'ai l'impression que c'est un peu fort, je vais la baisser un peu. Toc, bougez pas, toc, voilà, bah là c'est pas assez fort. Là on est bon. Voilà, là on est bon, c'est mieux. Alors du coup... Les démos, parce que ça me permet de rester au taquet sur l'actualité, surtout beaucoup de jeux indés. Ensuite, les JPG, les jeux pas gratuits, c'est quand j'arrive à obtenir des clés des développeurs via KMailer, entre autres. Donc là, j'en ai 3 là qui sont de côté, dont il faut que je vous parle bientôt, on les testera. Anima Games, c'est tous les jeux qui sont en lien avec, avec le Japon, avec l'animation. Par exemple, là, on a un Pokstar, c'est un jeu Pokémon sur mobile qui est pas très connu et qui est encore en Early Access, mais bien d'autres choses encore, et la catégorie des comics, parce que je suis fan de super-héros. Aussi, j'essaye de vous parler autant que possible
de tout ce qui est bon plan, donc les giveaways, donc bien entendu les jeux qui sortent sur l'Epic Game Store, mais pas que. Donc là, en ce moment, vous avez You à télécharger, qui est un platformer puzzle réflexion, puzzle game. Vous avez le Starter Pack de Traxmania 2020 qui est disponible sur Uplay et sur le GS. Donc après, si vous avez envie de jouer en multi, il faut claquer au moins 10 balles. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, bah ça, c'était les jeux de la semaine dernière. Mais voyez, hop, tous les giveaways, tous les bons plans, il y avait Injustice à choper aussi, ils sont là. Vous pouvez les retrouver si vous me followez sur Twitter. Et du coup, bah voilà. Après, je pose 2-3 trucs aussi. Voilà. Tous les bons plans, ils sont là. Vous pouvez les récupérer. Il y a des jeux, des fois, qui sont gratuits pendant une durée limitée sur Steam. On passe souvent à côté. Donc, n'hésitez pas, hop, à venir faire un tour. Donc, nous, on était là. Et on était sur quel jeu? Donc, The Fisherman, Eternal Hope. Mais c'était pas dans cet ordre-là qu'on les avait vus tout à l'heure. Eternal Hope, je m'en souviens pas. Eternal Hope. C'est gratuit, ça? On le veut? Je l'ai pas téléchargé. Alors, c'est pas un espèce de loup-garou, ça? Bah, je vais éviter de les télécharger en plein live, du coup. Ah, vous aimez bien les jeux gratuits? Bah, vous avez raison. Donc, faut rester avec moi. Stream Racer, je l'ai vu. Oui, j'ai vu ça. Je crois que je l'ai mis de côté. Attends, bouge pas. Stream Racer. Il est là. Il est là. Hop. Donc, à voir. Bah oui, mais après, faut avoir une communauté. C'est pas encore mon cas. Mais ouais, pourquoi pas. Donc, c'est ça dont on parle, hein, Stream Racer. Et donc, possibilité d'interagir avec les gens qui regardent. Je suppose qu'ils doivent poser des obstacles, des défis, il y a un système de vote. Hein. Excellent. Ah, excellent. Il y a un truc à télécharger, une application à télécharger avec. Tu joues sur PC. Ça peut être sympa. Ou c'est les viewers, ils conduisent d'autres véhicules. Ça m'étonnerait. À voir, à voir, à voir. C'est une course monde aléatoire, ok, d'accord, ok. Ah, ils ont rien à faire. Alors c'est, elle est pourquoi Stream Racer alors s'ils ont rien à faire? Hop, c'est quoi le but? Hop, Eternal Hope, alors Eternal Hope, on va regarder. Hop, liste de souhaits, j'y étais. Pour aller plus vite. Ah, pour aller plus vite, d'accord. Ils peuvent te ralentir, il y a des malus, il y a des bonus. Alors attendez, on était sur quoi? Je suis en train d'essayer de retrouver le jeu sur lequel on était. Ou alors il s'est lancé dans les téléchargements et j'ai rien vu. Parce qu'il n'apparaît plus dans ma liste de souhaits, fais voir. C'était ça, Gatewalker Clamman 2. Non, non, non. J'en ai perdu. Forcément, ça apparaît plus puisque ça a craché. Quelle merde. Alors, la voiture se conduit toute seule. C'est juste drôle. D'accord, gagner la course. Ouais, oui, au niveau du but. Sinon, le monde peut faire 10 bis boom en donnant 10 bis pour faire exploser une voiture aléatoire. Alors, ça ralentit cette voiture. Ouais, moi, j'ai pas ouvert les dons pour l'instant. Le pauvre hein, se fait exploser plusieurs fois. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, du coup. Ben, c'était quoi le gros jeu qu'on était en train? Il y a purée, je vais devoir faire un montage. Eternal Hope, ça m'intéresse ça. Mais du coup, j'hésite à aller télécharger en direct là. Little Wish No Beta 8. Pourquoi c'est là ça? Hop, supprimer, c'est payant. Hop, on veut pas les jeux payants. Hop, Mini Motor Racing, c'est payant. Supprimer. Ah, parce que ça doit être une démo. Ouais, supprimer. Hop, 5 Cotards de Yellow Mask. Fais voir. Fais voir qu'est-ce que c'est. C'est gratos, hein. C'est gratos, c'est du multi, ça ou pas? Troisième personne, non. Ah non, c'est du solo. Kickstarter, très bien, c'est du early access donc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ça ressemble à du point and click. C'est joli. C'est joli, on dirait presque du. Comment ça s'appelle les jeux là, style du FMV. Mais c'est pas du FMV. Ça a l'air d'être quali, ça. Jeu d'horreur, ouais, mais c'est ambiance horreur psychologique, ça. Plutôt un jeu d'ambiance. Super l'écran noir. On adore, on kiffe. Donc voyons voir. Donc ça, c'est tous les jeux, en fait, que j'ai mis de côté. J'en ai mangé de toutes les couleurs. Ah, superbe. Hop.
Ça c'est fort aussi, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Hop, bouge pas. C'est fort, mais je peux pas réduire beaucoup. C'est fort ou pas fort. Attention. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Allez hop. Oui, heureusement que j'ai pas l'information perso aussi que j'affiche comme ça un petit peu partout. Yes. Donc on a dit ça à noter. Après, alors ce qu'il y a, c'est que je vais essayer. J'ai envie de jouer à des jeux moi. Donc est-ce que je peux jouer à des jeux streamés là? Si ça plante comme ça, ça le fait pas. Et ouais, le. Après, il a peut-être activé Windows. C'est peut-être qu'il fallait que j'active Windows aussi parce que j'avais pas activé Windows depuis hier. Vu que j'ai récupéré mon PC hier soir. Ouais, il y a des trucs qui sont pas au point. Les nouvelles cartes mères, normalement, voilà, il n'y a pas de raison que ça plante. Everything's explosive. Oh, ça n'a pas l'air terrible. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru que ça plante. Je l'ai supprimé ce jeu. Je l'ai supprimé, je l'ai retiré de la liste. Ok. T'as pas compris. Cyber Hunter. Ouh, ça a l'air d'être quali ça. Oh, ça a l'air d'être multi aussi. Ah, voyons, plutôt positif au niveau des avis. Ouais, massivement multijoueur, d'accord. Parce qu'on serait pas dans un MMO. Is an open world battle royale. Ah, un battle royale. Ouais, bah, ce qu'il y a, c'est que tout le monde est sur Fortnite, les gars. Hein, donc, on va pas s'y attarder. Qu'est-ce. Il sous ma gueule. Il sous ma gueule. Il sous ma gueule. Ok. Alors, fous ma gueule. Québécois. Ah, bah, ça, c'est un pote à toi, ça. Crip Québec et Québécois. Donc, je suis un Crip et tout, je suis carré. Alors, Rocket Arena. Les gars, j'ai mis plein de choses intéressantes. Pourquoi ça, c'est là, ça? Supprimé. Hop, ok, enfin je dis supprimer, il va pas me. Je suis en train de cliquer sur. Oh là là, tout à côté. Ah bah ça me fait perdre mes repères ça. Rocket Arena. On avait dit Rocket Arena, fait voir à quoi ça ressemble. J'aime bien tout. Bah tout le côté. Tout le côté cartoon, mais ça c'est de quoi ça? Bon ça c'est des jeux en arène PVP, ça, MOBA ça. C'est du MOBA ça. Ouais, ils le disent pas, mais c'est du MOBA. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut y jouer. Après, faut qu'il y ait des gens qui jouent. Hein. Mais tout le monde joue à Fortnite. Du coup, hop, reviens en arrière. C'est cool. On va tester les jeux après. Déjà, rien que pour voir si, si ça plante et tout. Mais. Kaleidocraft, ça doit. Je dois avoir une démo de jeu là. Don't forget me. Ne m'oublie pas. Prochainement, c'est pas encore sorti. Est-ce que c'est prévu pour que ce soit gratuit? Ou est-ce que j'ai mis ça de côté par erreur? Cyberpunk, jeu de lettres. Oui, voilà, c'est parce qu'il y a une démo. Et côté pixel, m'avait l'air pas mal. C'est dommage qu'on ne peut pas revenir en euro, obligé de se retaper toute la liste. Kaologo Galaxy, pourquoi ça doit être une démo pareil? Quand c'est payant comme ça, c'est que j'ai une démo. Tiflant, pareil. Jinko, je l'ai téléchargé, normal. Je l'ai pas téléchargé. Jinko, ah oui, si, c'est un horror game, réflexion, escape game, quoi. Si, si, ça avait l'air pas mal. On l'avait vu la dernière fois. Project Senko, c'est DigiPen, il me semble, qui fait ça. C'est ouais, voilà, c'est DigiPen. DigiPen, c'est une école de jeux vidéo. Donc, il est situé, il me semble, à Toronto. Donc, si je dis pas de bêtises. Et souvent, ils ont plein de jeux, Kali, ils mettent un an à peu près. Hein, ils sont une dizaine d'élèves, parfois une vingtaine, parfois plus, sur un jeu à se mettre d'accord. Donc, ils doivent faire ça en groupe. Il en sort plusieurs par an. Et souvent, c'est assez quali, hein. Les mecs se démerdent. Après, c'est pour que ça devienne leur métier. Bon, parfois les petits bugs. Ce serait un peu une game jam, mais sur un an de développement. Donc, ils ont le temps de faire des trucs intéressants. Peut-être moins d'un an, d'ailleurs. Hein, je vous dis ça, mais j'en sais pas beaucoup plus. Mais ouais, assez quali. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour dans la bibliothèque. Et je vais essayer de lancer un jeu. Je vais essayer de lancer un jeu. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Get Walker, à mon avis, ça va être un peu lourd. Chrome, j'ai envie de tester Chrome. Je vous coupe le son du bureau, je coupe la musique parce que j'ai pas envie de vous exploser les oreilles quand je vais lancer le jeu. Toc, donc là, normalement, vous entendez plus le son. Moi, hop, je peux couper ça. Tac, on va lancer le jeu. J'ai ma manette, on va voir à quoi ça ressemble. Ah bah, ça commence mal. Ça commence mieux. Voyons voir. C'est fort. C'est fort. Donc déjà, je vous ai pas explosé les oreilles. C'est ça qui est cool. Waouh. Waouh, ça envoie de la saucisse purée par contre, les gars. Hop, bougez pas. Hop, la saucisse purée. Ça, ça... Alors, super. Voilà, ok, merci. Oula.
Je remets du son. C'est fort, c'est fort. Bougez pas. Ah bon, on fait tout en live. Là, on est bon au niveau du son. Alors, ah oui, Mister Nose, le baroudeur. Mister Nose, oh, bah déjà c'est du QWERTY, c'est bon. Moi, j'ai l'impression que c'est fort la musique là. Je sais pas vous. Hop. Attends. Ah, super. Super, super les gars, comment je fais? Comment je fais? Tu veux pas cacher mon password? Comment je fais moi? Comment je fais pour avoir une image, un truc? Purée. C'est mal branlé. Superbe. Super, comment je fais pour cacher ça moi maintenant? Faudrait que je trouve une image, un truc. Alors, youpi. Youpi, youpi. Ou alors on met un mot de passe à la con quoi. Ouais, le logiciel de... Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne. Oh merde. Attends, mais si. Si, je sais. Attends, si. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, je suis encore là. Hop, c'est fort. Hop. Attends, il veut plus écrire maintenant. Si, il veut écrire. Hop. Voilà. Hop. Hop. Hop, on va faire un truc. C'est bon. Ok, voilà. Et c'est bien, il me les affiche sous le nez, les trucs. Ok. Ok. Create this user. Oui. Remember. Voilà, c'est bon. J'arrive, je reviens. Hop. En capture d'écran. Ça va le son, ça vous nique pas les oreilles, vous? Alors, voilà. Oh là là, le streamer en carton, je vous jure. Ah, j'ai tout à découvrir. France, voilà, ok. Mon royaume, c'est la France. C'est bien. Alors, si vous voyez ce symbole, ne vous inquiétez pas, il se passe rien de spécial, d'accord. Ok, bon, super, c'est bien la peine de nous le dire. Ah là là, tarte aux pommes de tarte aux pommes, je t'en foutrais. Bon, déjà, est-ce qu'on peut jouer? Est-ce que le stream, il va planter ou pas? Déjà, il me demande plus d'activer Windows parce qu'il m'a fait une mise à jour. Bon, après, c'est peut-être normal, vu que voilà, j'ai branché le PC hier. Il n'a pas tout compris. Alors, elle est où l'image? Voilà, elle est là l'image. Alors, est-ce que manette ça marche déjà? Est-ce que manette on a un truc? Non, manette on a. Ah si! Oh! Manette ça fonctionne. Attends, on va rester avec la flèche. Il a une tête un peu carrée, hein. Non, c'est pas ça. Hein. Bon, au niveau de l'animation, ça a l'air d'être du polygone, hein. On est d'accord. Fight. Ok, d'accord. Bon, ok. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que du combat d'arène. On va faire. Attends, il y a quoi dans les options? Gamepad et tout. Ah oui, d'accord. Ah, il fait comme moi. D'accord. Back. Ok, d'accord. Échappe, back. On va faire fight. C'est spécial. T'étais pas obligé d'être ridiculisé comme ça. C'est mon guerrier, ça? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est foufou? Il est foufou. Alors, il est foufou. Allez, vas-y. On s'y attendait pas, hein. On s'y attendait pas. Hop. Ah, il fait la danse de la séduction, ouais, la danse des voiles. Il bouge son boule, il va twerker bientôt. Ah, ça parle. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Vas-y, attends. Hop, dire ça. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Cliquez sur une bannière, ok, sur un drapeau pour sélectionner une arène pour se battre contre. Bon, on se bat contre qui? Bah, contre les Capcois. Vas-y. Oh là là, bah vas-y. En fait, ah oui, d'accord. Ça marche pas. Oh là 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 là. Bon, bah toi alors.
Je sais pas qui tu es, mais toi, vas-y, on clique. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bah vas-y, bah combat, en fait. Vous avez voté pour cette arène, bah oui. Ah, bah j'ai appuyé sur un bouton, ça a fonctionné, dis donc. Ça charge. Enfin, ça se trouve, ça retourne au menu, va savoir. On n'a pas tout compris, hein. Enfin, moi, j'ai pas tout compris. Oh putain. Ça va être pratique. Ça va être pratique, ça va être bien. Vas-y, alors, fight. 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 On la refait. Alors, on la refait. Tout va bien. Pat Le Guen. Pat Le Guen. Hop, c'est bon. Hop, c'est à la régie. Tout va bien. Oh, c'est pas de la merde. Ok, d'accord, en fait, on va en Finlande. Ok, la Finlande, c'est plus sympa. Hein. Vas-y. Ah, c'est bon, ça marche. Alors. 0 attaquant, 3 défenseurs. Ah, il fallait peut-être que je prévoie un truc. Comment vous dire, en fait, que ça va pas bien marcher. J'adore cette petite bande blanche qui apparaît pendant le temps de chargement. Ah là, tarte aux pommes de tarte aux pommes. On aime beaucoup les écrans noirs, hein, surtout ne pas mettre d'artwork, hein, si ce serait trop demandé. Je sens qu'on va pas le sélectionner, je sais pas pourquoi. Quand tu veux le jeu. On aime bien les jeux gratuits, mais quand c'est pas de la merde. Parce que là, c'est mal barré, hein, quand même. Oh là là là. Cache le drapeau, tu me fais honte. Cache le drapeau. Oh là 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 là. Est-ce qu'il est fun? Tu vois, le truc, c'est est-ce qu'il est fun? Ouais, bah va sur Roblox. Bah non, Roblox, bien sûr, ouais, Roblox. Faire 3 pizzas et tout, machin. Ok. Bon, ça répond bien. Oh, ça répond bien. Mais alors, attends, ce qu'on va faire. Attends, c'est que... Attends. Moi, je le vois gros comme une maison. Vidéo setting. C'est en low. Tu fous ma gueule. C'est en low et ça... Vas-y, en custom, vas-y. Putain, c'est en low et il arrive à déconner comme ça. Tu fous ma gueule. Ou alors, c'est juste parce qu'il était en train de charger. Ok. C'est quoi le jeu? Je sais plus. Bonne question. Je vais te dire ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais... Ah, je te dirai ça après. On est dans la merde. Merde. Oh, merde. Bon, ça donne envie, hein. Bon, il tape. Oh, bah, je me suis soigné, merde. Bah fight qui? Oh là là. Pourquoi ça saccade comme ça? C'est pas beau. Je vais te dire le jeu c'est quoi? Le jeu c'est tout pourri. Oh là 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 là. Ça donne pas envie. Bon, oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible, sérieux. Mais vas-y, mais... press R to lock the enemy, machin... Oui, alors, je veux bien. Press option to skip. Oh là là, mais c'est... Oh, par contre... Alors, attends, R to lock, voilà. Oh là 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 là, mais ça, c'est bien quand t'as 8 ans, quoi. Oh là là, oh là là. Bon, c'est peut-être mieux que clavier souris. Oh, oh la vache. Attends, il esquive tout ça, vas-y, bois une potion. Ah, j'ai plus de potion. Bon, ça peut être fun. Ça peut être fun, hein, je dis pas. Est-ce que je peux me protéger? Bon, il y a 3 ennemis. Alors, attends. Oh, merde. Attends, il y a une potion par terre. Il y a une potion. On va comprendre, on veut comprendre les bases. Alors, vas-y, prends ça. Elle est où, ma vie? Elle est où, ma vie? Stamina, ok. Bah, en fait, il m'a pas fait si mal que ça. Là, j'ai une masse d'armes. Pick up. Vas-y, pick up. Bah, j'en ai déjà une, en fait. Hop, les gars, hop. C'est bon. Hop, ok. C'est un jeu d'arène, hein. C'est bien ce qui me semblait. Alors, comment je me protège, les gars? Avec la gâchette d'en haut? Je suppose. Oh, mais c'est pas normal, là! Putain. Ah, mais non, mais ok, c'est parce qu'il me donne une option.
Mais vas-y, on s'en fout. Oh là 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 là. Tarte aux pommes de tarte aux pommes. Vas-y, passe-moi ça là. J'appuie sur tous les boutons. Et je veux me protéger. Ah ok, d'accord, j'ai une gage. Oui, comment ça, je suis mort? Elle est où ma vie? Fous ma gueule. Bon, c'est pas génial, hein. C'est pas génial. On reviendra plus tard. Ça a l'air d'être codé avec le cul. C'est pas normal. Après, je sais pas. Alors, attends. C'est quoi le jeu? Le jeu, c'est de la merde. On va quitter ça. Attends, hop. On va le fermer comme un gros dégueulasse. Allez, voilà. Hop. Alors, c'est quoi le jeu? C'est Crumb. 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 D'accord, Crumb. On va l'oublier, je pense. Bon, à retester. Sincèrement, à retester. Faut voir. Bon, j'aurais dû jouer souris clavier. Bon, c'est pas super joli. On va faire un truc plus cool. Plus cool, qui va demander moins de performance. On va jouer à Monolight. C'est parti. Alors là, je vous coupe le son juste parce que, histoire de ne pas vous exploser les oreilles. C'est du gratuit, hein. Plein son, c'est du gratuit. On va voir à quoi ça ressemble. Ah, bah, il y en a qui rigolent, hein. Hop. Verilo, non, mais pas Verilo, les gars. Mettez-moi du height au moins. Allez, hop. Je veux bien. J'ai une GeForce 750. Ah, je suis gentil avec vous, hein. Allez, c'est made with Unity. Alors du coup là, il comprend plus. Alors attends. Est-ce qu'on est bon? C'est peut-être un peu fort encore. On va mettre à 5%, 3% même. On est bien? On est bien au niveau du son chez vous? Alors, si toi aussi, devant ton écran, un indice s'affiche. Oh purée, merde! Est-ce que coréen, anglais, coréen ou anglais? Alors, new game. Alors, ça a l'air d'être clavier souris. Je vois pas, il n'y a pas de setting pour le gamepad et tout, c'est dommage. Alors, voyons voir. Il est 9h40. Ah, bah en fait, il est pas tard. C'est que j'ai commencé de bonne heure, moi. Alors, move, jump. Ah, bah si, gamepad. Bah alors, pourquoi tu l'as pas dit, Michel? Hop, j'ouvre la flèche. Alors, move, jump. Alors, jump, en fait, il n'y a pas. Ok, d'accord. Toutes les touches sont pas reconnues, c'est ça? Ok, ça, par contre, je peux faire ça. Comment tu jump? Il n'y a pas une touche qui correspond sur la manette au saut. Puis c'est C. Bon, ok, d'accord. Clavier souris. Voilà, ok, d'accord. Bon, alors, ça marche au gamepad, mais il n'y a pas toutes les touches. Ok, bon, d'accord. Hop, interagir avec X, c'est pratique. Ok, ils aiment bien. Oh! Hop. Ça me fait penser à un jeu, c'était quoi son nom? Limbo. Limbo. Voilà. Vous connaissez Limbo? Interagir. On dirait des jeux flash. Save. Ah! Save. Oh, très bien. Très bien. C'est drôle. Oh! Pourquoi ça fait ça, ma lumière? Ok. Ah, ça recharge! Un turn off Z, oh purée, donc ça doit être le W. Non, c'est vraiment le Z. Tu te fous de ma gueule? Ok, on est en QWERTY. Oh. Ah, d'accord, il y a une recharge. Ah, tu te fous. Ah, ok, d'accord. Ah, faut recharger ici. Ah, ok, vous voyez, hop, on voit à gauche. On a la lumière. Ok, d'accord. C'est compliqué. Hein. Mais non, c'est pas compliqué. Salut! Est-ce que tu es un nouveau challenger? Ok, machin, ok. Ouais, on le voit, le nuage noir, ok. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Heureusement, parce que sinon, moi, je vous traduis ça. Hop, alors, est-ce que je vais mourir si j'allume pas les lumières? Je pense que oui. Attends. Ah oui, elle court bien. Ouais, je meurs, c'est ça. Attends, recharge ton truc. On va comprendre. On va comprendre. Et là, lumière. Super! Bon, et on a compris le gameplay. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, un beau jeu fait pas forcément un bon jeu, mais un bon jeu, c'est un bon jeu. Alors, c'est un excellent jeu de Limbo, ouais. Il a reçu de très bonnes critiques. Il commence à dater un peu 2016, hein, je crois, Limbo.
De mémoire. Je suis pas sûr, mais hop. Donc là, on a trouvé, il y a la lampe là qui est juste au-dessus. Donc je suppose que le levier, il y a moyen de... Ah, il nous le dit plus qu'on peut interagir. Ah, c'est des malins! Ah, c'est des malins. Il est bien le jeu. Quoi? Ah, c'est la lumière obscure, obscure et sombre. Et du coup, là, on est bon. Par contre, j'aurais peut-être dû garder de la lumière. J'en avais pas assez. Attendez. Ah, au moins c'est intéressant. Sauvegarder est important. Ok. Ok. Bah vas-y, c'est bon. Hop. Interagir, ok. Sauvegarder. Ça, c'est la sortie. La sortie, elle est en dessous. Donc je suppose qu'on va... Ah! La sortie, elle est en dessous, mais c'est le noir. La mer noire. Donc ça, hop. Et du coup, hop. Et je garde un petit peu de lumière. Ah, c'est bien foutu. Et c'est franchement, c'est bien foutu. Interagir. C'est bien foutu. C'est gratuit, je vous invite à le télécharger. C'est bien foutu, c'est intéressant. Et quand c'est intéressant, il faut t'intéresser. On est bien, on est bien. Ouais, ça n'a pas planté. Okay, cool. Ah. Petit. Bon, on a compris hein, un peu les éléments de gameplay. On va voir s'il y en a des nouveaux. Alors attention, on va courir. Hop, et je recharge. Ah, on commence à comprendre comment ça marche. Ah oui, alors c'est pour sauter. Mais je suppose que je peux pas sauter suffisamment loin. Alors attends, on va faire un truc. Et hop, et cours. Voilà, c'est bon. Oh, il y a de quoi recharger, hein, en tout cas. Petite étoile. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Du coup. Voilà, on remonte par là. Ok. Bah, je peux recharger en fait, je suis bête. Enfin. Comment je descends de l'échelle? Je suis obligé de sauter. D'accord. D'accord. On fait ça. Youp. Youp. Ok, bon, bah, on a compris, hein. Vous avez compris, ça vous plaît, ça vous plaît pas. On va essayer autre chose. Bon, c'est bien. Hop, celui-là, on le garde. Je pourrais en faire une vidéo. En plus, ça va être facile de faire une vidéo là-dessus. Ok, ok, donc ça c'est oui. C'est oui, c'est oui, on retient. Oh, ça doit être en anglais, hein, c'est pas bien compliqué. Donc c'est cool, Monolight. Monolight ça fonctionne. Fantasy General. Pourquoi je dis ça? Fantasy General, prologue. Ah, c'est un prologue. Ah merde, c'est un prologue, donc c'est moitié une démo. Enfin, c'est pas tout à fait une démo parce que le prologue c'est souvent. Un jeu à part entière avant la sortie du jeu officiel, par exemple. Mais des fois, c'est une démo. Il y a des prologues qui s'appellent démo, il y a des démos qui s'appellent prologue. Mais souvent, il faut faire la part des choses. Souvent, une démo, c'est une partie du jeu final. Et le prologue, c'est vraiment un jeu à part entière. Des fois, vous en avez pour trois quarts d'heure, une heure de gameplay. Bon, du coup, ça m'intéresse moins là, de voir Fantasy General. On verra plus tard. Bon, et ça m'intrigue, hein. Gatewalker Alpha, là, Diablo-like. Attendez, je vous coupe le son du bureau. On va voir ce que ça donne. Et vas-y, donc Chrome Battle Arena, on sera d'accord pour dire que c'est pas terrible. Jouer. Alors, voyons voir. Attention. Attention. Ah, je me réveille. Oh là là, je m'étire. Oh, tout va bien. Alors, merde. Ah, j'ai eu deux crashs hein, quand même ce matin. Ah, purée de punaise. Est-ce que je fais un montage pour vous mettre le replay? Je pense que ce serait correct hein, de faire ça. Ce qu'il y a, c'est que je serais plus en 1080, je crois, hein, parce que vous vous doutez bien que j'ai un vieux logiciel de montage là, façon tchétchène. Allez, vas-y, charge-moi ça. On va y arriver, on va y arriver. Donc, bougez pas, les petits amis. Oh les amis, est-ce que vous aussi vous dites vos viewers, vous les appelez les amis? Oh. T'es fort! Bah, je suis cool hein. Alors, c'est fort encore, merde! Voilà.
C'est moi qui parle. Enfin là, c'est pas moi qui parle. Enfin si, c'est là, c'est moi qui parle. Mais là, le narrateur, c'est pas moi. Bon, ça a l'air d'être stylé. Échappe pour skipper, mais on va pas skipper. On va pas skipper tout de suite. Restons ensemble. C'est de l'humour drôle. Non, désolé. Alors, voyons voir. Je m'attendais pas à ça du tout. Mais ça me dérange pas, j'aime bien. J'aime bien, ça fait bande dessinée, j'aime bien. Oh, une fleur. Ah bah, t'es mignon comme tout. Une Edelweiss. Mais non, c'est Edelweiss, c'est blanc. Gatewalker. Le gate, c'est les marcheurs du portail. Ah, Gatewalker, ok, d'accord. I accept. Mais bien sûr que I accept. Alors, faut, des fois, il faut aller jusqu'au bout, tu sais, tout en bas. Qui lit ces trucs-là? Personne. Play Alpha. Ah, c'est une alpha. Bon, bah voilà. Ou qui sont partout. Hein. Ils sont sur Facebook, Twitter, Discord, YouTube, Steam et World Premiere. On va jouer à l'alpha. On avait du choix. Ouais, moi, je les appelle mes tipatoutes. D'accord, mes tipatoutes. Tipatoutes. Ah, j'aime bien les tipatoutes, au moins. Allez, les amis, ça fait un peu manipulatoire. Moi, je dis, hein, j'ai pas d'amis. Les amitiés sont. Ça va, ça vient. Mais. Je sais pas trop ce que ça veut dire, les amis, quoi. On n'a jamais bu l'apéro ensemble. Des fois, j'en ai eu un, une fois, qui arrive, salut mon pote. Tu vois, qui arrive sur le chat, c'est salut mon pote. Je sais pas qui tu es, salut mon pote, non. Je lui ai fait, on n'est pas copains, d'ailleurs, il est parti. Alors, WSD en néant QWERTY, donc Shift plus Alt, si vous voulez passer du clavier français, européen, au clavier anglais, d'ailleurs, comme si anglais, c'était pas européen. Et ben non, ça l'est plus, ils sont sortis. Ah, bah voilà. Around the world, and use to MMA. Il n'était pas en français? Non. Ok, bon, bah ça, c'est les barres, donc il nous indique les interfaces. On n'écoute rien. Alors, est-ce qu'il y a manette? Non, il n'y a pas manette. Ok, donc Shift-Alt pour passer. Hop, on suppose qu'on a un inventaire. Ok, on a un inventaire, vas-y. Mais on va prendre la hache. Ok, double clic, ça fonctionne. Donc. Hop, de l'eau, machin, on n'a pas d'armure. Bon, déjà, c'est assez intuitif. Donc, c'est cool. Alors, il y a une barre pour charger. Ok, non, ok. Et clic droit. Ah, coup de tatane. Coup de patate, patate de fourrin. Oh, bottage de cul, très bien. Hop. Ok, on a compris le jeu. Ok, interagir avec eux. Est-ce qu'on peut prendre le contenu du coffre? Sorte. Ah non, ça devait pas ça. Bah, le hammer, l'arc. Prends-le, fais glisser, en fait. Hop, hop. Il est où le. Attends, bouge pas. Il est où le marteau? Voilà, c'est plutôt un marteau, moi je veux un marteau. Hop, ok, d'accord, on avait le choix en fait. C'est pour sans doute choisir la classe de notre personnage. Ok, très bien. On découvre. Fais voir, marteau. Voilà. Marteau. Mais j'ai l'arc aussi. J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais on va dire qu'on est d'accord. Ok. Alors, du coup, il se passe rien. Alors, toi, ok. Nanana, nanana. First expédition. D'accord. On est d'accord. Tais-toi. 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 Merci. Stage complete. Ok. On a les pouvoirs. Ah, on a les pouvoirs. On a les skills. Ok. Alors, c'est quoi les raccourcis? Hein? Voilà, par le pouvoir du crâne ancestral. Apparemment, c'était pas ça. J'ai pas compris. Ah, voilà, un dash. Ok. Alors, il y a un cooldown, mais ça fonctionne quand même. Ah, d'accord. Alors, attends. Ah, bah là, ça ne fonctionne plus, d'accord. Ok, j'ai des objectifs ici. Quest, first expedition, go to expedition Spain. Ah, c'est là, donc il faut descendre. Ah, bon, bah, on va aller. Ok. Donc ça se joue en multi. On va regarder. On peut pas sauter, c'est dommage. Ah mince, je fais de la merde. Je fais de la merde, je fais de la murderer. Est-ce que Shift on court? Ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air. Shift on court pas. Ok, il y a la forge, il y a plein de trucs. Oh, ça a l'air d'être long. Bah, c'est normal, c'est un MMO en fait. Hein, on est d'accord? Par contre, ça faisait pas pareil, hein. Sur l'image, j'avais l'impression que c'était plus quali quand même. Vas-y, clique là-dessus. Ouais, bah on y va. Ouais, tutoriel, vas-y, on valide. On valide où? Voilà. Ok. Moi, je veux bien, les gars.
Comment on y va? Ah, parce que en fait, c'est là, faut passer le portail. C'est ça? C'est ça, on sélectionne la mission et on dit oui. Voilà, sans doute. Parce que si c'est les marcheurs du portail, voilà, les portailleurs, c'est comme ça qu'on dit un portailleur. Ah, ben, si, c'est vrai. Si, non, si. Un portailleur, donc on est des portailleurs. Des port si, c'est ça. Et on se balade. Donc, est-ce que c'est joli? Est-ce qu'il y a moyen? Vas-y, alors ça, loading. No this back, ça y est, alors, affiche mon blaze. Alors, on va y arriver, on va y arriver. C'est gratuit. Est-ce que c'est bien? Ça manque de musique, les gars, par contre, dans votre jeu là. Oh, par contre, il y a 15 000 informations, les gars. Il y a beaucoup trop de choses. Bon, les couleurs sont dégueulasses, hein, on est d'accord. Attends. Bam! Bam! Oh, meilleur jeu! Meilleur jeu! Hop, coup de tatane! Oh là! Vas-y, espace! Bah. Ah oui, en fait, c'est juste un dash. Elle est où ma vie? Ma vie, elle est en haut, en vert, ça va être ça. En dessous, ça va être la stamina et ça, la barre d'expérience, je suppose. Oh, des traces de. Bon. Ouais, comment vous dire que je suis pas super hypé? On sait pas ce qu'il fait, hein. On comprend pas trop. Non, cancel. Ok, d'accord, c'est le portail. Ok, c'est invocation de portail. Attends, mais ça. Je sais pas s'il est censé. Ah, mais c'est récupère ou comment ça se passe? Oui, récupère. Alors, c'est peut-être la barre grise, la vie. Pourquoi vous l'avez pas mis en rouge, en fait? Ou alors, il récupère de l'endurance. Mais il récupère, en tout cas. Et ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être la vie. Ok. Bon, bah avançons un petit peu, hein. Ah, mais attendez, on peut fouiller le cadavre. Ah, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a de la viande qu'on peut bouffer? Il y a des petites options là qui sont apparues là. Ok. Sanité, sanitaire. Ok, d'accord. Ok. Donc ça, c'est la stamina. D'accord. C'est parce que j'ai lancé les sorts. Ça, si je clique dessus. Ah, d'accord. Ah, ok. Ok. Bah, en fait, non, en fait, c'est juste mon clic. Très bien. Très bien. On est content. J'ai l'impression que ça vous botte pas des masses là. Hein? On est d'accord? Hop. Vas-y, hop, coup de tatane. Voilà. Hop et. Bon, c'est marrant. Il y a moyen. T'es tout seul chez toi, tu t'ennuies. T'as que ce jeu-là sous la main. Il y a moyen d'être marrant, de s'amuser, écoute, avancer un petit peu, c'est le tuto. Ok, bon, il s'est passé des trucs. Bon, je vous propose qu'on quitte, exit, voilà, confirmé, confirmé. Exit, 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 exit. On va voir autre chose, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Ça faisait beaucoup mieux en présentation, hein, ça rendait beaucoup mieux. Du coup, c'est mou là, hop. Mais ça, j'ai bien envie de le. On va tester. Mais c'est pas un jeu. Ah, mais si, Power and Soul. Ça marchait pas des masses la dernière fois parce que le PC il avait cramé. On va essayer ça. Je vois, on est un loup. Cœur de loup, où es-tu? Je suis là, je sais pas toi. Oh là! Des os. Alors j'adore ne pas pouvoir gérer le son. Voilà, si, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc il a fait ahou ahou, hein, mais hop, on l'a pas entendu. Est-ce qu'on est bon? Voilà, on est bon. On est bon, c'est peut-être même un peu fort. New game. Est-ce que la manette, ça fonctionne? Oui, j'ai envie de restart a game. Parce qu'on l'avait pas bien vu la dernière fois. Le PC avait du mal. Oh là là, je m'étire, m'étire. Ah, c'est cool. Le chat qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite délice? Oh, elle est dans sa boîte à chaussures. Oh. Tu viens voir papa? Viens, jump. Viens là. Bonjour, ma fille. C'est délice. Oh, c'est délice. Oh, elle est malheureuse. Oh, c'est un chat malheureux. Oh oui. Malheureux. Elle me prend pour un arbre en fait. Voyez, hop. Ça, c'est dit. Je peux pas la porter. Elle aime pas qu'on la porte. Sauf quand on fait l'arbre. Comme ça. Donc, c'est pratique.
Miaou, miaou. Voilà. Donc, oh, regarde, Didi, ça, c'est le loup. C'est la nature, t'aimes bien la nature. La princesse, hein. Voilà, hop, le chat. Hop, et si je la repose, elle va pigner. Hein, hop, non. Mais comment on fait? C'est, là, t'es un petit peu accroché comme un opossum. Hein? Comment il fait? Comment je fais? Puis il y a l'autre qui va venir parce qu'elle est jalouse. Comment je fais pour jouer Délice? Bah oui, bah miaou, miaou, quoi. Est-ce que là. Oui! Là, donc là, gamepad. Donc là, oh, il saute. Super. Ah ouais, la dernière fois, ça laguait, ça ramait à mort. Donc là, on est bon. Est-ce que je peux courir? J'ai pas l'air de pouvoir courir. Ah, peut-être. Si, je peux courir. Est-ce que je suis? Ça va, c'est fluide. Ah, c'est chouette. C'est gratuit. Gratuit, un jeu gratuit. On y va. Hop, bonne narration et tout. Bon, c'est pas en français. On va voir. C'est quoi ça? Hop, on sait pas. On sait pas. Je peux courir en maintenant une gâchette enfoncée. You. Hop, hop. C'est fluide. Hop, ça gère, c'est fluide. Est-ce qu'on a un truc ici? On peut se balader. Oh, attendez. Phew. Hop, oh. Par contre, les collisions, c'est pas ça. Oh, c'est chouette. C'est chouette. Bon, on va continuer d'avancer, hein. Hop. Apparemment, faut suivre les glyphes qui sont là-bas. Toc. Ah, attends, je vais même peut-être. Au niveau des settings, je vais réduire un poil. Je pense que ça pourrait être. Bah attendez, hein, subtitle langage. Est-ce qu'on a du français? Ah, on a que dalle. On a que dalle. Vidéo. Alors, Windows Mode. Hein, Borderlands, non. Anti-aliasing. Vas-y, on va mettre. Oh bah, ils sont en épique. Attends, on va mettre en height. Déjà en height. Et à mon avis, ce sera plus fluide. Enfin, on essaye de faire les choses bien, hein, d'accord? Hop, appliquer. Ok. Close. Continue. Ah bah attends. Oh, vas-y, cours. Cours Forest. Ah, cours, voilà. Donc je sais pas hein, ce que ça fait l'église. Ça se trouve, il fallait que j'appuie sur un bouton. Hop. Tout au maximum, ouais. Bon, ça marche aussi, mais. C'est pour vous quoi au niveau du retour, puis j'ai pas là je fais gaffe. Bon c'est joli. C'est joli quand même. Oh, c'est bien en height aussi, on voit pas beaucoup de différence souvent. Donc là je me balade sur le chemin. Bon c'est agréable au niveau, on entend le bruit des petits oiseaux. Ça va vous le son là? Ah, y a un pote. Salut. Ok, ça c'est les souvenirs quoi. Et là il y a une luciole. Très bien. Oh, bah, ça a l'air d'être marrant. Si ça, tout ça, c'est open world et tout, qu'on peut se balader, j'en doute un peu. C'est fun. Oh, yeah, ça commence générique, intro et tout. Oh, bien foutu, hein. Tu vois, là, au niveau de l'approche et tout, tu commences, ça te fait ton tuto, machin, ça te raconte une histoire. Et, ok. Il y a de la mise en scène. Ça, c'est sympa. Et encore, j'ai tracé, hein. Je suis pas resté aux alentours et tout. C'est chouette, c'est joli en tout cas. On dirait c'est Okami le loup là, c'est ça? PS2, c'était Okami. Donc à voir. J'ai l'impression que ça saccade un petit peu quand même de votre côté. Super. Et puis vas-y, va sur le clavier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que maintenant je peux balancer des boules de feu? Je sais pas. Ouais, ça me fait penser à Okami. Vas-y, saute. Eh, ça marche, hein? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il n'y a pas de dégâts de chute. Ah, mais attends, on se balade et tout dans la forêt. Ah, c'est cool. Il y a un chemin, on n'est pas obligé d'aller sur le chemin. Yes. On s'est l'air de suivre, hein? Oh, là, on est une petite luciole. Ok, d'accord. Donc, le but du jeu, ça va être de chercher les petites lucioles, je suppose. Boule de feu, là il y en a une bleue à droite, vous l'avez vu? Oui, vous l'avez vu. Ta ta ta, là-bas. Là. Oh purée!
Merci, Ren One le boss. Ah purée, j'ai eu peur. Salut. Ok. Ah, mais ça se trouve, ça ouvre des portes et tout, allez savoir. Pot en clos, hein, c'est ça? Un sphère. Oh, j'ai des super. Je suis trop content. Oh, et tout, des super pouvoirs. À moi de trouver à quoi ça pourrait me servir. Très bien. Tout, tout, tout. C'est bien, c'est bien. On n'a pas tout compris, mais on est d'accord. Allez. Hop, encore une sphère. Ta, ta, ta. Ah, j'ai l'impression que je suis plus rapide. Attends. On avait une, la sphère. Ah, faut sauter. Ah non, je croyais qu'il y avait des trucs, mais c'est des papillons. Ah, on peut regarder que sur le côté, comme ça, et tout. Ah, c'est Kali, c'est Kali. C'est un bon jeu gratuit, ça. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Bon, on n'a pas trop trouvé le but du jeu, là, l'objectif, mais c'est bien. Quelque part, c'est bien. Vas-y, on peut sauter sur les rochers. Moi, j'aime bien glitcher les jeux, moi. Hop, attendez, on va essayer de tricher. Hein, vous savez ce qui se passe avec les tricheurs? Ils gagnent toujours. Allez, hop. Oh, bah regardez, il n'y a pas une caverne là? J'ai entendu un bruit. Attention. Attention, attention. Ah, j'ai plus mon super pouvoir. Attendez. Vous sentez que là, le jeu, il vous dit non, il n'y a pas le droit d'aller plus haut. Et par contre, c'est stylé, hein. Attendez, il y a quoi là-haut? Il y a pas. On va essayer de tricher. Attendez, on va essayer de tricher. Ah non, ça marche pas. Ah mais il y a moyen, il y a moyen. Au moins. Oh, oh merde. Je vais tuer mon loup. Attendez. Je veux tricher! Je veux aller au-delà du décor. Bon, vas-y. Hop. Ah bah attendez, par là, c'est possible, ça se trouve. Vas-y, grimpe, grimpe le loup. Ah, hop. Oh là. Ah non, ça glisse. Ça va, ça répond bien en vrai. Je sais pas, c'est trop. Hop, et là, est-ce qu'il grimpe? Non. Oui, je sais, le jeu il se passe là où il y a la forêt, mais c'est pas grave. Hop. Ah, mais la rigolade. La rigolade. Du jeu gratuit. Il y a une caverne là-haut. On verra plus tard. Je pense, j'ai envie de tester un autre jeu. Bon, au moins ça fonctionne. Le PC plante plus, mais à mon avis, c'est parce que j'avais pas installé Windows. Et là, il s'est installé tout seul, en redémarrant. Donc c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Enfin du moins il me le suggère plus. Bon, faut ramasser tout ça. Hein. Mais ouais, on a eu quelques difficultés. Maintenant ça va mieux. Est-ce qu'il y a un passage là-bas? Eh, il y a des sphères là-haut. Hein. Vous voyez, ça brille, il y a un truc bleu qui brille tout en haut. Donc c'est qu'il y a moyen d'aller tout en haut. Faudrait peut-être suivre le chemin. Bon, j'ai pas trop compris, mais il est bien. Attendez. Attendez, là il y a peut-être un passage. Ah! 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 Ah la queue le. Ah regardez là. En fait, faut sauter pour le prendre celui-là. Alors si je sais viser. Je sais pas viser. Ah! Je l'ai. Hop, oh, papillon, il vient avec moi. Oh, j'ai débloqué un succès là. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc. J'aime bien là quand c'est instinctif là. Instinctif et intuitif. Oh yes, oh, trop bien, trop bien. Oh merde, oh merde. Ah je suis mauvais, oui je suis mauvais. Attends, on va réessayer, on va réessayer. Je voulais quitter le jeu puis en fait là j'ai plus envie. Il est bien le jeu. Vous entendez les oiseaux? Vous avez pas assez de son. Attendez, je vais vous remettre. Vous entendez pas les oiseaux? Fais comme l'oiseau, ça vole et ça vole les oiseaux. Alors attendez, on va mettre en 11. Parce que là, ah, vous entendez toujours pas les oiseaux. Moi, je les entends. Ce qu'il y a, c'est qu'après le narrateur, il risque hop, de faire trop n'importe quoi. Trop sa voix, elle est trop forte. Alors attends. Hop. Attends, 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 attends. Hop, ici, petit lapin. Viens là, petit lapin. C'est un loup, c'est pas un lapin, c'est un loup. Alors, c'est presque pareil. Hein. attends, attends. Attends, petit lapin. Allez, saute, petit lapin. Voilà. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est de la merde. Je pouvais avancer, j'ai cru qu'il y avait un trou, mais il n'y avait pas de trou. Attends, rigolez pas. Enfin, si, rigolez. Alors, attention. Attends. Okay. Ah oui, d'accord. Je croyais que j'avais loupé un dialogue. Mais en fait, non, ça va.
Attends. On va jouer à autre chose après. On va jouer à autre chose. C'est cool. Ouais, je vais être content moi, au montage de recoller les morceaux. Alors. Là, petit lapin, tu sautes. Voilà. Et c'est là. Là, ça se trouve, ça grimpe tout seul. Mais je peux pas en fait sauter. Je peux pas. Je saute pas assez haut, on est d'accord? Ça se trouve. Ah, peut-être avec de l'élan. Bon, oh, est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Oh, vas-y, on peut aller dans. Si on peut aller dans l'eau, c'est le meilleur jeu. Vas-y, va dans l'eau. Ou est-ce que dans beaucoup de jeux, on va dans l'eau, on meurt? Oh là là, c'est pas le bon chemin qui me dit. Ah, ok, Yo, shooter! Tu m'as fait peur. Je suis pas habitué. Yes! Shooter qui m'a offert Darkest Dungeon. Ça fait plaisir de te voir ici. On teste des jeux gratuits. Mon PC, il a planté deux fois déjà depuis ce matin. Merde. Merde. Et là, on est sur Pawns and Claws. Un petit jeu gratos qu'on est en train d'essayer. C'est mignon. Mais on va quitter parce qu'on va essayer autre chose. Mais celui-là, on le note. Ah, purée de punaise, hein, je te jure. Tarte aux pommes de tarte aux pommes. Voilà tous les jeux que j'ai mis côté. Ce matin, après, on va jouer à autre chose. Et ça, Stranded Tales, j'ai vraiment envie de le tester. Donc, Streamer, tu m'as dit que c'était bien. Samurai Cookie, ça m'enchante pas. J'en avais mis d'autres de côté. J'en avais mis d'autres des jeux de côté. Ça, c'était quoi ça? Ça, c'était pas bien, je crois. Je crois que ça, c'était pas bien. Je sais plus. Ah bah c'est Digipen. C'est bon, je vous en parlais tout à l'heure. Oui, je crois que c'était un peu pété au niveau des hitbox. Page du magasin. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah ça c'est encore. Yo. Ok, bah fais-toi un thé, puis pose-toi. Sois le bienvenu, sois le bienvenu. C'est cool. C'est cool de te voir ici en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Darkest Dungeons. Ah là là, trop bien Darkest Dungeons. Downfall. Ah, je crois que Downfall, j'avais mis de côté pour le supprimer. Oui, parce que c'était multi. Voilà, c'est ça. Je pouvais pas y jouer. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Ego in the Coma. On l'a testé, Ego in the Coma. Non, on l'a pas testé. On l'a pas testé, Ego in the Coma. On en a juste parlé. Eh ben, on va le tester. Attention, vos oreilles, je vous coupe le son juste au niveau du bureau. On va lancer ça. Et on va voir si c'est bien. Et normalement, c'est bien. Voilà, ça c'est Made with Unity. Bon, un écran gris comme ça en chargement. Ça nous met la puce à l'orteil. Donc attention. Language option available. On va voir ce que ça s'agit. Wow! C'est fort. À chaque fois, hein, à chaque fois, je me fais eu. Alors, par contre, il y a un vrai retour renders. Fais voir. Ah, on entend les chiottes. Ça devrait le faire là si je vous le mets à 8. Dites-moi si c'est bon pour vous le son. Hop, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Toc, voilà l'image, vous l'avez. Est-ce que c'est cool? Vous entendez? On dirait des toilettes, mais apparemment la dame elle est dans sa baignoire. Donc est-ce qu'on a du joystick? Enfin, joystick. Moi je vis en 1990. Le gamepad. Le gamepad. Pad. Pad. New game. New game. On va voir de quoi ça fait. Les écritures, ça me fait penser à des caractères chinois. Ok. Un monde où l'existence de l'ego a sombré. On s'en fout. Allez. On s'en fout. C'est un peu fort, non? C'est un peu fort. C'est un peu fort. Merci. Il me semblait bien. Merci de me le dire. Toc. Oh. Ah bah là, c'est pas fort du tout. C'est sur 0. Là, on est à 2. Ça a l'air d'être bien. Ok. Breath anything to continue. Ok. Oh, j'aime bien. C'est pixels. C'est chouette. Ah, attends. Oh, c'est moi. Et shift, je cours. Ah non, je cours pas. Je suis caché, je suis caché. Je suis où? Je suis là. Alors je suis une dame. Est-ce que deux fois en avant non. Ok, rien du tout. Bon, je marche au ralenti, hein, on est d'accord. La musique est stylée. Hein, on apprécierait la musique. Ah, je peux pas aller tout à gauche.
Bah, je peux pas faire demi-tour. Tu te fous de ma gueule? Attends. Ah si, ok. Je peux pas courir, les gars. Ok, je peux pas courir. Est-ce que je peux cliquer sur les dames? Ah, mais je sors d'un bar à pute, là. On est bien. Hop. Je balade. Ah, Neo Tokyo. Ouais. Ouais. Toi aussi, dédicace. Je me baladais dans la rue au Japon. Il faisait pas beau. Et j'avais pas de chapeau. Je sentais la pluie dégouliner sur ma joue. J'étais à bout. Je regarde le stand de ramen. Je lui dis, serre-moi, je te dirai amen. Pourquoi? C'est stylé. Wesh. Par Inakuzano. Spécial dédicace. Wesh. Ah, c'est cool. Bah, c'est cool, mais pourquoi je fais demi-tour en fait? Parce qu'il y a un moment donné, il faut faire un truc peut-être. Parce que faut cliquer la flèche. Pourquoi j'ai fait demi-tour? Parce que je suis arrivé et je me suis cogné dans un poteau. Ok, bah non, en fait, je peux continuer. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu fais ça? Alors, c'est quoi le jeu? Ah, Ego in a coma. Tu vois, hop, tu poses la question, c'est interactif. C'est bien foutu, hein. Ah, attends, je te vire la flèche. Pour l'instant, faut se balader, il va y avoir des trucs à faire. Mais oui, ça va y avoir des barrés, hein. Ah, encore un bar à pute. Ah bah dis donc, il y en a des bar à pute, hein. Hop, avec tout le respect qu'on leur doit, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, press anything to continue. Alors, je peux entrer, voilà. Je peux entrer, qui me dit. Alors, est-ce que si je peux entrer, ce serait pas la touche E? Est-ce que c'est pas vers le haut? Ouais, la porte qui brille. Ah non, il m'a dit The Shining, Shining, c'est briller. Hein, c'est les portes qui brillent. Donc ça a pas l'air d'être par là. Ah, mais si, ça... Ok, ça brille. Là, tu vois, ça brille. C'est ça brillait. Voilà. Je voulais briller. Mince. Alex du 76. Franchement, voilà, je vous vire la flèche. Alors, hola. Bonjour, madame. Bon, c'est pour une intro, mise en scène, hein. D'accord, alors pas dans le nez, le rouge à lèvres. C'est la drogue ou c'est pas la drogue? Ça sort la drogue. Ah, quand même. Dévergondé, quand même. Ah là là. Attention. Il y avait pas. Oh, là, elle est toute nue. Ouais. Ah, d'accord, mais en fait, c'est un tatouage. Ça, ils ont enlevé les tétons. Il n'y a pas de tétons. Ok, voilà. Ah, comme Mary Poppins, le 2. Qui est tout pourri d'ailleurs, hein, comme film. Enfin, moi j'ai pas aimé. Bah, il va se passer des trucs. Tu sens qu'il va se passer des trucs. Là, il va y avoir de l'action. On adore les écrans noirs en chargement. Un artwork, les gars, les artworks. Bah, bazar. Bazar. J'espère que vous appréciez ce stream de qualité. Qui a planté deux fois quand même. En une matinée. Donc, à voir. Bon, c'est normal. Alors, je dois trouver l'arme. Oui, pour lui mettre une branche. Alors, on adore l'animation. Bah, je dois trouver l'arme, t'es marrant, toi. Je dois trouver l'arme. Donc, j'entends des murmures, ok. J'ai rien compris. Mais je suis d'accord. Mais les gars, elle est où mon arme? Bah, super, je clique, ça me sort de l'écran. Attends, arrête. Bah, attends. Mais vous foutez de ma gueule. Attends, elle est où l'arme? Je dois trouver une arme, mais tout pourri. Attends. Oh là! Oh, mais fallait le dire que j'étais un ninja. Merde. Ah! Ah! Alors, on va pas rigoler. Voilà. Oh, meilleur jeu. Meilleur jeu. Attends, mais j'ai plus de vie, là. Là, merde. Là, je peux courir. Ah, ninja, ninja. Oh, retour vers le futur. C'est geek. Oh, oh, puis il y en a plein des DeLorean, regarde derrière. Ça me redonne pas de la vie, ça. Ah, mais il faut sauter sur une voiture. Oh. Viens là. C'est la guerre. Eh, la musique est stylée, en vrai. Attends. Wow, par contre, c'est n'importe quoi. Voilà. Oh, ça pisse le sang.
Attends, est-ce que c'est tous des méchants là en dessous? Ah non. Oh, et si c'est tous des méchants? Voilà, hop. Bon, c'est pas. Ah, on apprécie, hein. Hop. On apprécie. Vas-y, un méchant. Voilà, voilà. Ah, je suis full live, j'ai dû ramasser un truc, on sait pas quoi. Mais j'ai ramassé. Bon, c'est rigolo. C'est rigolo. Vas-y. Vas-y, je les dégomme tous. Allez. On n'a pas compris, hein, mais voilà, 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 voilà. Il suffit de faire un clic, voilà. Moi, je sais pas, tu vois. Je les ai à 3 km là. C'est trop bien, hein, trop bien. Meilleur jeu, meilleur jeu. Bon, c'est barré, je sens que ça va être barré. Attention. Oui, saute, saute. Est-ce que la flèche du haut ça marche? Ah, bah oui, la flèche du haut ça marche. Ah, je peux pas aller plus loin. Donc, si je peux pas aller plus loin, je peux aller plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Beaucoup plus haut que mes souvenirs. Je sais pas c'est quoi les paroles. Là, regarde, ça fait un escalier. Hop. Voilà, hop. Donc là, ça veut dire vas-y, va par là. Kill them all. Ça marche pas là. Attends, ça marche pas. Ah, mais attends. Ah, merde. J'ai marché dans les pics. Attends. Ça se trouve, on peut aller plus loin grâce à la DeLorean de ce côté-là. Merde. Fallait que je saute encore. Tu sais, on va comprendre, on va comprendre. Bouge pas. Puis après, on va changer de jeu. Mais attends, bouge pas. Alors, attends. Ici, comme ça, la DeLorean. J'ai compris. Je suis pas bête. Enfin, pas toujours. Donc voilà. Et là, là, on va sauter. Voilà. Et là, ça marche. Et là, hop. Et là, il y a un mur. Alors, ça sert à quoi d'aller par là? J'ai pas compris. Kill them all. Bah, je les ai tous tués, non? Mais il faut que je fasse quoi? Pourquoi tu me mets une voiture ici? Si c'est pas pour faire quelque chose. On va aller tout en haut. Et là, j'ai pas assez de trucs pour sauter. J'ai rien compris. Donc je les ai tous tués et il n'y a pas de porte qui brille. Bon, on va changer de jeu. Hein. J'ai pas compris, on va pas rester sans s'étendre là-dessus. Quitter, allez, vas-y, on verra un autre jour. On le testera en off. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, pourquoi pas? Chrome, ça va être non. Monolight, ça va être oui. Alpha, machin, la Gatewalker, pas convaincu. Ego, Inokoma, si je comprends le gameplay, ce qu'il faut faire, ça peut être intéressant. Et Power and Soul, c'est un grand oui aussi. Fantasy General, c'est un prologue. Midnight Renegade. Ça me fait peur, ça va être un peu un and click. Ah, il y a des jeux stylés, mais attendez, je regarde ce que j'ai. Ah, Clay Game, j'ai envie de voir ce que c'est. Attention, je vous coupe le son. Ici, hop, au niveau du bureau, alors ça avait l'air d'être moche et dégueulasse. On va voir de quoi il en retourne. Go, action. J'ai faim, j'ai fait des galettes. Je vais me faire des galettes œuf bacon. Œuf bacon, c'est trop bon. Hop, alors. Il n'y a pas de musique, mais on va se méfier. Ah, un petit rototo. On va se méfier. Hop, je vais juste réduire le volume. Mettre à 5. Par mesure de précaution, je vous remets du son. Nouvelle game. Oh, c'est moche. Oh, c'est très très moche. Oh, ça fait vomir un peu, hein, non? Ah, bah, s'il y a du son, c'est l'orage. Après, c'est un style à part entière. Oh, c'est vilain. Oh là là. Et tout est creepy. Ils se sont dit, oh bah, vu que. Non, je sais pas. Et ils se sont pas dit, on va essayer de faire quelque chose de joli. Ou ça se trouve, si, ils se sont dit, on va faire quelque chose de joli. Ils ont fait ça. Ah là là. D'accord. Ok, avec des gros mots et tout, quoi. Ok. Ok, d'accord. Je suis pas convaincu, hein, les gars. Je sais pas vous, mais moi je suis pas convaincu. Ok, d'accord. Vas-y. Ok, on est dans le sarcasme. Bon, on va voir puisqu'on y est. Donc, ça, c'est l'introduction. C'est censé être drôle, ça. Ils se balancent des vannes et tout. Il y en a un qui lui dit bah, pourquoi tu regardes chez moi? T'as qu'à pas te balader à moitié à poil. T'es un pervers. L'autre dit t'es un exhibitionniste. Alors que bon, il a un caleçon, quoi. Et là, ok, ça va être les deux compagnons, c'est ça? Donc, alors, il y en a un qui va donner une quête à l'autre. On va l'air de jouer l'espèce de renard. Ah non, on joue pas le renard dégueulasse.
Bon, ok. Alors, comment ça se Wow, contrôle? that mushroom on top. Tais-toi. Oh là 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 Alors, je peux pas passer par là. Je peux peut-être passer par là. Oh, oh là, quelle horreur. F pour attraper. Je suppose que ça va me servir. Attends. C'est quoi la touche pour se servir du truc? C'est E. D'accord. Mais ça sert à rien. J'ai la gratte qui gorge. On est d'accord pour dire que ça a l'air tout pourri? Modélise du manège enchanté avec Zébulon, ouais. Bon, vas-y, ça dégage. Ça dégage. Ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qu'on avait? Clegane, ok. Clamman 2. Oui, ça on avait vu, mais c'est entièrement en anglais et tout machin. Besoin d'une mise à jour. Armilo, bah tiens, Armilo. Essayons ça. Je vous coupe le son du bureau histoire de ne pas vous exploser les oreilles lorsque la game va démarrer. Ça a l'air. Il est gratuit actuellement sur Steam Fatest Display. Attendez, oh, Beautiful. Beautiful. Attends. Parce que Fatest c'était le pire. Oh, on va mettre en Beautiful. Ouais, GeForce 750. Et oh, il y a un moment donné. Oh, ça le fait quand même, quoi. Alors, j'aime beaucoup quand ça me fait de la merde comme ça. Et tu peux pas me foutre un full screen alt entrée. Et d'ailleurs, je suis toujours en QWERTY, je repars en AZERTY. Donc là, on est d'accord. Déjà, c'est plus quali. Alors, vous n'avez pas de son, c'est normal. Je vous arrange ça. Hop, qu'est-ce que ça raconte la Steam? Ok, là c'est bon. On va faire comme ça. Et je remets du son ici. Et là, normalement, ça vous nique pas les oreilles. Alors, est-ce que manette ou pas manette? Manette, ah, manette gamepad. Gamepad futur. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Sauvegarde 1. Donc déjà, c'est quali, c'est ergonomique. Oui, facile, facile, facile. On découvre le jeu. C'est pas pour se prendre la tête, je vous vire la flèche. Alors, un joueur, parce qu'il y a moyen de mettre plusieurs joueurs. Vas-y, on y va. Ok, donc gratuit sur Steam pendant une durée limitée. J'ai pas vu la date, j'ai pas vu combien de fois. Ok, différents systèmes. Pour l'instant, celui-là est bloqué. Donc, je suppose que ça, c'est le premier niveau avec des sous-niveaux. Oh, c'est en français! Regarde, regarde, t'as vu comme ça? J'ai une grosse main, t'as vu? Kamalakan, hop. Alors, ce monde est celui où je vis, je viens de rentrer de vacances intergalactiques et il paraît que le danger rôde. Eh ben, allons voir! Donc, téléchargez-le maintenant! Un million! Un million! Un million de dollars! À récupérer sur Steam. Alors. Oh, trop mignon! Je peux sauter. Oh, je peux foncer. Ok. Ok. Moi, je... Ah. Donc, je suppose qu'ils sont prisonniers. Oh non, ce piège nous a aspiré. Nous sommes coincés. Oh, pauvre petit, les gouttes d'eau. C'est les poissons. Ok. Le vaisseau de confinement est complet. Prêt pour l'extraction énergétique. C'est fort. C'est fort. C'est fort ou c'est pas fort? Tais-toi. Tais-toi. Hop. C'est fort, hein. Comment sommes-nous arrivés à ce gâchis en premier lieu? Nous sommes perdus! Mais non! Armilo est là! Mais non, nous sommes. Allez, vas-y, tais-toi. Juste, je baisse un peu le son. Je baisse un petit peu le son parce que je trouve que c'est un poil fort quand même. Juste ici. Oh, la musique stylée! On est à 6, on va redescendre à 3. Voilà, très bien. Là, ça devrait le faire. Armilo! Voilà! Voilà! Super, c'est les poissons? Les poissons, ils meurent pas? Voilà. Il doit y avoir un moyen d'accélérer. Ces orbes sont étranges, je sens. Vas-y, tais-toi. Tais-toi. On a compris. Voilà. Et là, je suppose que je peux pas passer. Voilà, ok. Tout, tout, tout. Ah, c'est un flipper en fait, Armilo. Très bien. Oh là, attends, c'est un méchant ça. Il y avait d'autres trucs ici.
Oh, c'est rigolo. Ok, ok. Attends, il y a des trucs, il y a des trucs. Ok. Ok, ouais, c'est un flipper en fait. Ah ouais. C'est fun. C'est le fun. Ok, c'est fun. Ah, ok, je peux pas revenir par là. Je peux revenir par là. Donc ici, pas, sans doute. Ah. Ouais, tais-toi. Hop. Voilà, c'est cool. Ah, par contre, il y a des... j'ai pas tout pris. Attends. Oh. Ah, je suis super invincible. Je sais pas si... Ah non, en fait, je meurs. Je peux pas les toucher, ils ont des pics. Ah, c'est par là. Attends. Est-ce que je récupère de la vie, non? Parce que là, je leur fais du mal quand je fais ça. On dirait. On n'a pas tout compris, mais il se passe des choses, tais-toi. Ok, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Armilo! Viens, hop. Moi aussi. Quoi? Moi aussi quoi? Moi aussi. J'ai dit une connerie et puis j'ai pas suivi. Attends, hop. Hop, hop. Hop. On y va. Bon, c'est fun. Niveau 2. Oh, un boss. Un boss, un boss. Bon, par contre, j'ai qu'une vie, les gars. On est dans la murderer. On est dans la merde. Oh, wow, calmez-vous, calmez-vous. Oh, bah non, mais en plus, je suis mauvais, tu vois. Bah, ça y est, bah, c'est fini. Bah, oui, c'est fini. Voilà, ok. Non, en fait, c'est pas fini. Ah, bah, attends. Hop, bah, je me casse, moi. Qu'est-ce que tu veux? Hop. Bon, c'est un peu simpliste au niveau des graphismes et tout. Mais au niveau du gameplay, ça le fait. Tais-toi. Hop, tais-toi. Non, mais tais-toi donc. Oh là là. Ok. Allez, on y va. Ok, d'accord, il a capturé mon pote. Alors, attends. J'ai pas tout compris au système de vie, là. Attends, ça, je peux casser ça. Comment on récupère quoi, ça? Est-ce que ça... Hop. Oh, des secrets. Ah, mais en fait... Je peux laisser appuyer... Ah, je laissais pas... J'appuyais sur le bouton comme ça par un coup. Mais en fait, je peux laisser appuyer. Mais eux, ils m'enlèvent de la vie, là, quand je tape dedans, c'est ça? Attends. Moi, je veux récupérer de la vie. Ça fait du bonus, hein. Ah, ok, on a la collectionnite. Donc, ok, là, on a le truc. Ah, mais attends, regarde, on peut se faufiler. Ah, comme ça, on va gagner des points. Voilà. Attends, ça, je peux sauter. Ah, connexion et tout. Attends, connexion. Voilà, et du coup... Ah, là, je peux entrer. Ouais. Ok. Ok, on est d'accord. Ok, tais-toi. Bon, c'est drôle, c'est fun, c'est drôle, c'est marrant. Ok. Bon, on valide, Armilo, on valide. Alors, on valide, mais on va essayer de s'échapper quand même. Alors, par où on va? Elle est où l'entrée? Alors, on a plus l'entrée. Ah, mais c'est quoi l'histoire là? Comment on sort de là? Comment je fais pour aller là maintenant? Je peux pas casser ça. Je me suis coincé. J'ai glitché. Bah, j'ai cassé le jeu. Bon, c'est bien, on quitte. Bon, j'ai cassé le jeu. Alors, grosse main. Ah oui, grosse main. Oui, bah oui. Grosse main. Voilà. Oui. Alors. Non, on a dit, je peux en aller. On a dit, on quittait le jeu. Bon, j'ai pas tout compris. J'ai cassé le jeu. Mais c'était bien. Armilo a téléchargé. Bon, tu me le laisses 5 minutes, moi je le casse. Mais sinon c'est pas mal. On va fermer ça comme un gros sale. Allez, bon bah c'était marrant. Crumb, c'était de la merde. Qu'est-ce qu'on avait l'autre? Est-ce qu'il y a des jeux dont je vous ai pas parlé? Frogba, c'est de la merde. Gatewalker, Gene Shift, à voir plus tard. Happy Monster, je pense que tous les autres jeux, je vous en avais parlé. Donc, ce que je vous propose, Loco Road, c'est que je coupe vite fait le stream et je vous reprends. Je fais une micro-pause. Pourquoi que je ferais. Et on repart sur du Deland. Deland, parce que j'ai envie de le finir. Attends, ça, je vais avoir un montage à faire.
pour recoller les trois morceaux. Et du coup, on se lance sur des landes. Donc bougez pas, je vais lancer ça. Je vais lancer des landes. Il est où des landes? Des landes, il est là. Alors est-ce qu'on est bon? Des landes. Normalement, j'ai. Regardez. C'est bien foutu. Normalement. J'ai un truc pour des landes. Il est où mon des landes? Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que c'était pas ça? Si, c'est ça! C'est ça! Ok. Donc, on va faire ça. Regardez, on va faire les choses bien. On va faire les choses bien. Donc, je vous remets un petit générique de fin. Je lance l'écran de fin. Je coupe le stream. Je bois un verre d'eau. Et je reviens et on joue à ce jeu-là. Ah ouais! Ah, on fait les choses bien! Ah ouais! Ah, ça marche! Et on va finir sur un petit Endover. Hop, vous allez voir. Hop, tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Voilà. Et normalement, on est bon. Voilà. Là, on est bon. C'est cool. C'est ça qu'il fallait faire. Bref. On se retrouve tout de suite pour jouer à des Landes. J'ai besoin de couper le stream pour en faire une catégorie d'émission, pour travailler les replays un petit peu plus tard. Comme ça, quand je vais lancer le jeu, j'aurai un replay à part entière, une vidéo à part entière. Vous ne m'avez pas suivi, mais moi je mets quand même train. C'est déjà ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans votre futur. Et ciao. Bye. Est-ce que j'étais en train de parler dans le vide? Est-ce que j'étais en train de parler dans le vide? Est-ce que depuis tout à l'heure je parle dans le vide? Est-ce que c'est ça l'idée? Non? Dites-moi que j'avais pas parlé dans le vide. J'ai l'impression que si. Non? Ok. C'est juste que j'ai pas coupé le truc. Bon bah ça va. J'ai eu peur. Bon, bref. À très bientôt dans votre futur. À tout de suite. I'm shot down. I just want me to find it, 'cause I'm not.